Et Oui. bien le bonjour à tout le monde. Bien le bonjour à tout le monde. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous présente donc Agatha. Mais je pense que tout le monde connaît Agatha Oh bah, depuis. comme tu y vas. Puisque tu es quand même conseillère du gouvernement sur tout ce qui est les questions d'écologie, Bien sûr, que bien ce sûr. soit le Sur gouvernement tous les fronts. français, anglais, américain, polonais, turc, Chilien. chilien, tout à fait, suédois, finlandais, norvégien. Tout à fait, Tous. donc voilà. Donc Agatha, docteur en éthologie, illustratrice, membre du Science Comedy Show. Voilà, tu as un nombre de Qui aime casquettes surtout les oiseaux, voilà, c'est quand même surtout le point de départ. qui effectivement a un défaut, c'est qu'elle s'intéresse prioritairement aux oiseaux au lieu de s'intéresser aux poissons. Mais forcément, c'est une chose qui a été réglée lors d'un combat de rap que peut-être certaines des personnes dans le chat auront. D'anthologie qui a mis en avant nos talents musicaux assez inégalés, je dois dire. Exactement, ouais. Et assez inégaux également. C'était quelque chose. À Maintenant, fait. on a que hâte de faire la tournée des Salles de France pour la faire sur scène. Ouais, voilà, ouais, on a que hâte. Exactement. Je n'aurais pas mieux dit. Alors, avant toute chose, je vous explique. Je vais probablement beaucoup bafouiller et pas être très clair du tout, puisque une chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur les vidéos et qui n'est pas souvent dit, mais en fait, je suis un très 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 gros migraineux. À titre informatif, j'ai été suivi pour des protocoles de recherche et ils m'ont fait sortir des protocoles parce que je faisais trop de migraines. Donc, j'ai pas de traitement de fond qui marche, mais j'ai traitement d'appoint qui marche, ce qui fait que là, je n'ai pas mal à la tête. Mais je suis complètement défoncé. Donc j'ai pas du tout les idées claires. Je suis complètement à la masse. Voilà. Un peu comme si on vous réveillait à 4 h du matin et qu'il fallait faire un stream. Bah voilà, c'est à peu près l'état dans lequel je suis. Donc pour vous dire un peu ce qu'on a prévu pour ce soir avec Agatha, on s'était dit, tiens, on va se répartir les oiseaux et puis il y en a un qui en parlera et l'autre qui dessinera. Et puis on a constaté qu'on avait 18 oiseaux et que si on passait 10 minutes par oiseau, l'émission faisait 3 heures. Voilà. C'est-à-dire que hier, quand on a fait vite fait le point, ça a déjà duré, ça a duré quoi, 2 heures, non? Un truc comme ça? Oui, quelque chose comme ça, je Facilement, crois. ouais. Donc on est quand même resté dans cette idée-là, en sachant qu'elle était bête et qu'elle ne marcherait pas. Mais on s'est réparti les oiseaux, donc on a pris un ordre relativement aléatoire des oiseaux, en général, qui avaient le plus de descriptions au départ, la plupart du temps. Et on s'est un peu réparti ce que Agatha allait dessiner, puis moi je ferai le blabla dessus, et puis ensuite on va alterner. Sachant encore une autre chose, c'est qu'on va faire des dessins probablement assez rapides. Je suis désolé, en tout cas, moi je vais parler pour moi, là dans le cas présent, je ne ferai probablement pas justice à des oiseaux que j'aimerais vraiment pouvoir très très bien dessiner avec énormément de talent que je ne possède pas. Donc ce sera certainement pas à la hauteur. Mais voilà, on va faire ce qu'on pourra et j'espère qu'un jour, quelqu'un de beaucoup plus talentueux que moi pourra vous le faire encore mieux que ça. Mais voilà. Donc je ne sais pas, Agatha, soit tu fais une présentation. C'est vrai que je n'ai même pas parlé, tu as une actualité livre aussi récente, toi, il me semble. Tout à fait, mais après, c'est on peut en parler au fur et à mesure. Hein. C'est comme tu le sens, hein, vu qu'on a du pain sur la planche. Très bien, alors on peut lancer Voilà, hein, les. je me dis parlons piaf et puis on parlera de choses et d'autres au fil de discussion, vu qu'il y a plein de sujets trop bien qu'on peut aborder avec ces oiseaux fabuleux. Donc, moi, je pense Cool. que voilà, on va avoir plein de choses à dire. Ok, très bien. Eh bien, alors, en tête de liste, on s'était mis le Vaya Tictic, et c'est génial puisque je me rends compte que moi, je m'étais déjà fait un fichier sur le Vaya Tictic alors qu'il t'est attribué à toi en dessin. Putain. Oh là là, mais Tout qu'est-ce à que j'ai fait. fait? Mais oh, mais j'ai. Attends, je vais juste regarder une seconde mes fichiers pour voir si j'ai. Est-ce que je me suis attribué tous tes dessins en fait? Oh la vache. Je suis vraiment désolé, je suis à la masse aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Non, les autres, c'est bon, a priori. Non, il n'y a que celui-là, il n'y a que celui-là où je me suis planté. Ok, c'est bon, ouais, du coup, voilà, très bien. Eh bien, tant mieux, parce que c'est celui-là où, de toute façon, je m'étais planté dans mes palettes de couleurs. Très bien. Eh bien, le Vaya Tic-Tic, qui était le dessin de Dina Bayard, est entre les mains d'Agatha. Donc, Agatha, je vais te passer en gros plan, comme ça, tu vas pouvoir switcher sur ta Ouais, caméra. attends, je vais juste. Du coup, je switch de caméra dès à présent. Yep, moi je Tu me dis. vais te. Tac, je viens de Alors, t'épingler. attends, je remets la fenêtre Zoom. Du coup, hop, miracle de la technologie, je change de webcam. On m'entend toujours normalement si tout va bien. Et on voit.
N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez Agatha en double, parce que je réalise qu'elle est dans mes enceintes et dans Hé la sortie de l'ordinateur. Auquel cas, moi, je mettrai un casque dans ce cas-là. La 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 la. Alright. Donc, pendant qu'Agatha va commencer à travailler sur le Vaya Tictique, moi, je vais raconter l'histoire qui a été écrite par Dina Bayard sur cet animal. Ok, mais n'hésitez pas à me dire, hein, sinon moi je le. Ok, très bien, si vous m'entendez pas en double, c'est parfait. Et si vous m'entendez plus, enfin c'est pas très grave, là je dessine, mais bon, enfin faut me dire si ça. Parce que je switch un peu entre l'ordi et le dessin, c'est un petit peu un montage un peu à l'arrache, hein, on va le dire, donc faut pas hésiter à me dire. Alors moi Hop. qui est le truc de stream à côté de moi, je vois le machin du son bouger quand tu parles, donc normalement on t'entend. Alors, le Vaya Tictique est un petit oiseau diurne mesurant en moyenne 14 cm pour les mâles et 18 cm pour les femelles, du bout de leur bec aiguisé à la pointe de leur queue courte. Donc tu te rappelles, c'est les oiseaux escrimeurs. Tout à fait. Leur plus... Ah, Agatha est partie. À fait, tout à fait. Leur plumage se dégrade en un vert lumineux sur la tête, à un vert plus terne pour le corps, le tout tacheté de jaune. Donc, plumage se dégrade d'un vert lumineux à la tête vers un vert plus terne pour le corps, tacheté de jaune. Outre la taille, on ne note pas de dimorphisme sexuel. Et donc, c'est la femelle qui est plus grosse. À l'instar du cacapo, cet oiseau a perdu sa capacité à voler, ne devant fuir devant aucun prédateur, du moins jusqu'à l'importation accidentelle de gros rongeurs et autres mammifères carnassiers par les colons. Et d'ailleurs, les Maoris aussi ont importé, puisqu'il y a des rats polynésiens qui ont été apportés par les Maoris, mais soyons clairs, c'est quand même bien les colons qui sont venus foutre une belle merde là-dedans. Et d'ailleurs, si je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, mais il y a une vidéo de Attenborough, je crois qu'il est naturaliste anglais. Et est-ce que, ouais, c'est bien lui qui se fait copuler la tête par un cacapo? Alors, c'est pas Si. David, c'est en fait c'est un pauvre biologiste C'est un qui se biologiste. fait agresser et celui qui est à côté, mais c'est un truc BBC, c'est Stephen Fry qui est un comédien Oui, Stephen Fry, bien sûr. et lui il se marre comme une baleine à côté alors que ce pauvre monsieur se fait violer la nuque. Ouais, mais C'est ça, tout à fait. Et le mec se fait mais complètement charcuter à la nuque. Il a des blessures pas possibles parce que le cacapo essaie de se reproduire avec sa tête. Et il y a des chercheurs justement qui travaillent beaucoup pour la reproduction des cacapos qui les incitent à se reproduire, enfin à essayer de copuler avec leurs bras ou avec différents éléments de leur corps. C'est assez. Ouais. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet très drôles. Il y a plusieurs chercheurs et chercheuses que je suis sur Twitter qui postent des vidéos de ça parce qu'ils travaillent justement sur la sauvegarde des cacapos. C'est très. Disons que leurs mœurs sexuelles sont largement répandues sur les réseaux sociaux. Sur et sous terre, dans les souches, sous les écorces, difficile de se cacher de cette redoutable traqueuse. Ah, j'ai sauté une phrase. Et pour cause, la Vaya Tictique est une chasseuse. Et là, on comprend mieux. Sur et sous terre, dans les souches, sous les écorces, difficile de se cacher de cette redoutable traqueuse. Ses larges pattes lui permettent même de déloger les malheureux sous des roches. Les malheureux. Ah oui, pardon. Oh, je vous ai dit que j'étais vraiment là. Je refais cette phrase. Ses larges pattes lui permettent même de déloger les malheureux sous des roches pouvant peser deux fois son poids. Insectivore, la majeure partie du temps, elle ne crache pas non plus sur les vers, arachnides ou myriapodes qui peuplent son territoire. Et la Vaya Tictique est très territoriale. Vivant seule dans les espaces forestiers délimités par ses soins grâce à une sécrétion cloacale odorante et particulièrement visible, d'un rouge vif dû à une concentration en oxyde de fer, dénotant parfaitement avec l'environnement verdoyant, qu'elle dépose sur les troncs et les rochers. On a estimé l'étendue d'un territoire à environ 8 ars, soit 800 mètres carrés. Gare à celui ou celle qui viendrait fouler de ses pattes des terres déjà conquises. Les combats entre Vayata Tictique conduisent souvent à la mort de l'un des adversaires. La Vaya Tictique ne quitte sa zone qu'une fois l'an à la recherche d'un ou d'une partenaire sexuelle. La parade amoureuse a lieu dans une zone neutre, souvent à l'orée de la forêt. Les Vaya Tictiques se regroupent en grand nombre et pratiquent ce que les populations locales appellent Wawai Aroa, soit littéralement la bataille de l'amour. Si on approche l'oreille de cette joute de séduction, on entendra s'entrechoquer les becs des oiseaux à la manière des joueurs d'escrime, d'où le tic-tic accroché au nom d'oiseau. La femelle étant plus grosse que le mâle, c'est elle qui décidera quel sera son élu, après s'être imposée auprès de plusieurs partenaires. Ces charmantes escarmouches se déroulent sur 3 à 4 jours. La reproduction, quant à elle, est très rapide, de l'ordre de 5 secondes. Ce qui est tout à fait normal.
De retour dans son espace de verdure personnelle, la femelle pondra, dans un trou creusé pour l'occasion, 5 à 7 œufs dont l'incubation dure en moyenne 15 jours. Les oisillons sortis de leur coquille trop tardivement ont malheureusement une espérance de vie réduite. Plus faibles que les aînés, ils sont souvent malmenés par ces derniers et la maman Vaiata Tictic ne s'encombrera pas de nourrir celui qui n'a que peu de chances de survivre. Arrivés à maturité, les petits quittent le territoire de leur mère et vont chacun de leur côté s'approprier un espace libre ou tenter leur chance en délogeant un propriétaire déjà installé. C'est un peu les Spartiates quand même en matière de... Mais carrément, ouais, il pourrait y avoir un livre de biologie. Ouais. On est vraiment sur des oiseaux spartiates pour le coup là au niveau du massacre entre eux. Les D'ailleurs, plus costauds survivent. c'est intéressant d'avoir des... En fait, on a affaire, si on prend cette espèce, à une espèce où visiblement il y a énormément de meurtres intraspécifiques, c'est-à-dire beaucoup de meurtres au sein même de l'espèce. Puisqu'on a des meurtres entre les petits, on a des meurtres entre ceux qui se rencontrent lorsqu'ils se traversent les territoires. Alors pourquoi ils traverseraient les territoires? Probablement pour un accès aux ressources. Comme il n'y a pas d'accès aux ressources de partenaires à ce moment-là, puisque j'ai l'impression que les questions de territoire n'entrent plus en ligne de compte au moment de la reproduction, les seules ressources seraient des proies. Donc il y aurait peut-être des proies préférées, ce qui veut dire qu'on est probablement sur une espèce qui doit être constamment... Salut Joy. On doit être sur des espèces qui doivent être constamment à la limite de l'extinction, en fait. Elle doit être en... Ouais, ça doit être en flux tendu en permanence. Parce que tu as très peu de petits qui vont naître, puisque bah, c'est que les plus forts qui survivent. Est-ce que c'est pas là d'ailleurs, il n'y en a qu'un seul qui survit? Non, c'est que les plus. Parce qu'il y en a un oiseau qu'on va revoir plus tard où il n'y en a qu'un seul qui survit de tous les petits. Parce qu'en général, la plupart du temps, quand on a des combats, que ce soit chez les oiseaux ou chez la plupart des autres espèces, ça va quasiment jamais jusqu'à la mort, spécifiquement, parce que bah, c'est pas intéressant globalement au niveau de l'espèce. Bah, si t'as que des individus qui s'entretuent, ça perd un peu en intérêt, parce que bah, il n'y aura plus personne très vite. Donc en général, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de combats rituels. Si on prend bah, l'une des joutes de combat dans le cas présent que moi je connais le mieux, ça va être ce qu'on observe chez les poules. Chez les poules, on a vraiment des combats qui sont très ritualisés, chez les coqs, chez les poules, qui fait que très très rapidement, les combats s'arrêtent. Et une fois que les ordres hiérarchiques ont été gérés, bien, il n'y a plus de combat. Et c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est ce qu'on voit chez la plupart des animaux, et c'est d'ailleurs à ça concrètement que sert une hiérarchie. C'est à ce que les agressions et les combats diminuent et que les relations sociales soient beaucoup plus pacifiées. Finalement, les hiérarchies en grande partie servent à ça. C'est ce qu'on observe chez la plupart des animaux. Vous prenez par exemple quelque chose qu'on voit beaucoup chez les animaux d'élevage. Dans les animaux d'élevage, dès qu'ils veulent déplacer des groupes, par exemple pour les réunir par poids. Par exemple, chez les cochons, ça arrive souvent, ils veulent les réunir par poids équivalent ou par âge équivalent, et donc ils mixent les groupes sociaux. Mais en fait, on a affaire à des animaux qui ont une très grande agression entre eux, parce qu'ils sont obligés de recaler leur hiérarchie en permanence. Et en plus, on a affaire à des animaux qui souvent n'ont pas eu un apprentissage social avec les parents et ce genre de trucs. Donc en plus, ils ne sont pas capables d'évaluer correctement la force des autres. Ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à combattre des individus qui sont manifestement beaucoup plus balèzes qu'eux, ce qui fait que ben, ça provoque énormément de soucis. Donc là, on a un oiseau qui en fait a un comportement qui est extrêmement atypique pour un animal d'avoir comme ça un taux de mortalité et un taux d'agression mortelle hyper élevé. Je me demande, je sais pas si tu connais Agatha des oiseaux qui auraient un taux d'agression létale aussi important et qui pourtant arriveraient à survivre quand même. Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que, bien sûr, je n'ai pas relu, mais un des oiseaux qui est connu pour son agressivité et qui n'hésite pas à se battre à mort, c'est pas du tout un oiseau exotique, c'est le rouge-gorge qu'on Ah oui. a chez nous. Et en fait, les rouges-gorges sont extrêmement territoriaux. Et alors, pareil, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça, c'est des observations un peu anciennes. Hein. Je pense que c'était même genre années 40-50. C'est peut-être même Tim Bergen, un des fondateurs de l'éthologie, qui l'avait observé. Où il avait montré que même quand tu mettais des leurres de la couleur rouge, bah les bestiaux ils devenaient furax en fait et ils venaient taper dessus. Et ce qui est fou avec le rouge-gorge, c'est qu'ils sont ultra territoriaux, les mâles comme les femelles, ils défendent chacun un territoire. Alors de plus en plus, ils arrivent à se tolérer quand même bah, quand il y a un truc à manger ou quand il y a des ressources, bon, ils font des efforts, mais ils sont vraiment super vénères à se taper à mort, quoi. Donc moi, c'est celle que j'ai qui me vient comme ça.
Après, des gros combats, peut y avoir des agressions un peu brutales autour d'un. Mais c'est pas pour de la parade, mais tu vois, genre des grands rapaces qui vont se disputer sur une Oui, bien carcasse sûr. ou genre de choses. Bah, Mais comme pour de les la coqs, les combats parade, de coqs, trucs comme ça. ouais, c'est ça exactement. Ouais, pour de la parade. Là, comme ça, c'est vrai qu'on parle de trucs ritualisés, là, les lecs, ceux qui dansent, qui glougloutent, qui font des trucs avec les plumes, avec le bruit. Mais c'est vrai que c'est exactement ce que tu racontais sur la hiérarchie, le rôle de la hiérarchie, c'est vraiment de s'économiser, quoi, et de pas se taper dessus parce que bah, c'est de l'énergie perdue pour pas grand-chose et que bah, y a pas d'intérêt à ce que ça finisse de manière, de manière sans issue ou avec une seule issue, quoi. Donc, À partir du moment où tu as oui. des relations sociales, de toute façon, enfin, où tu as un minimum de fonctionnement social, ça devient plus rentable d'avoir des Ah attaquants bah faibles, oui, quoi. complètement, complètement. La fenêtre est un peu grosse que le mal. Alors du coup, moi, mes bestioles, parce que j'avoue, je les aimais beaucoup, donc j'ai réfléchi un peu cet après-midi avant de réfléchir à comment je les dessinerais. Et à la base, je m'étais dit, ouais, des épéistes, on a envie de penser à des sortes de colibris géants qui volent pas, ça serait une bonne idée. Et puis ensuite, je me suis dit, ouais, mais c'est des bestioles qui chassent, donc il faut quand même qu'ils aient un gros bec pour réussir à attraper leur proie. Du coup, même si ça ne ressemble pas à des masses, celui-là un peu mieux peut-être, je les ai un peu dessinés comme des Arasari, qui sont des mini toucans trop mignons, que je vous invite à aller voir parce que c'est très très mignon les Arasari. Ils ont des becs, donc plus courts que ceux des grands toucans, mais des petits becs bien costauds, bien longs. Et je me suis fait avec des grosses pattes de chasseur. Ouais, donc des Arasari verts avec un petit. Voilà, qui se donnent des coups de bec, moi je trouverais que ça serait pas mal. Ils sont cool. J'aime bien celui qui est à gauche fait très corvidé aussi, je trouve. Ouais, je pense que l'angle du bec m'a joué des tours. Je pense que ça ferait plus toucan si j'avais fait la tête plus plate. Bien Très sûr, bien, très déjà mis bien. des feux de partout. Ça va être très vite le bazar. Au début, j'étais dit, oh, allez, je vais bien ranger ma feuille, tout ça. Mais en fait, voilà. Voilà. Cool, très bien. Bon, et eh bien, switchons alors. Passons. Alors, le deuxième, et du coup, il est encore à toi le suivant. Yes, alors Puisque attends, le deuxième, on c'était. avait dit que c'était quoi? Alors, c'était. Alors, comme Ataïnimo avait proposé deux Scotopas, elle avait fait le premier Scotopas à jus jaune, et ensuite, elle en avait fait une Tout à version, fait. une suite plus poussée qui était Scotopas œil de chat. On avait choisi finalement de faire le Scotopas œil de chat. Donc c'est celui-ci qui va apparaître sous les pinceaux de. D'Agatha. Tout à fait, tout à fait. Alors, Hop, alors attends, je remets. Vas-y, je t'écoute, ta voix de conteur. voilà la nouvelle création donc de Hataïnimo. Oh, mais voici que s'annonce le Scotopa œil de chat. Bon, remarque, je sais pas si elle. Oui, elle fait des références au premier, donc je vais vous lire le premier aussi. Scotopa à joues jaunes. Régime alimentaire frugivore, consomme parfois des graines et noyaux. Mode de reproduction, mâles et femelles ont plusieurs partenaires, entre 3 et 5 généralement, mais ce sont les mêmes jusqu'à la fin de leur vie. Espèce grégaire, en colonie de 10 à 15 individus environ. Lieu de ponte commun et partagé, un peu un fonctionnement en mode flamant rose mais en sous-bois. La maturité sexuelle est tardive, à 6 ans, pour une espérance de vie de 20 ans grosso modo. Il y a maximum une ponte par année, par femelle, mais souvent elles font des pauses un an sur deux, mais généralement il y a 2 à 4 œufs à chaque fois. Je vais relire cette phrase. Il y a maximum une ponte par année par femelle, mais souvent elles font des pauses un an sur deux, mais généralement il y a 2 à 4 œufs à chaque fois. D'accord, il y a une ponte de 2 à 4 œufs toutes les années, mais des fois il y a une pause. Ok. Toute la colonie participe à l'éducation des petits jusqu'à leurs 4-5 ans. Mode de vie, bon grimpeur et marcheur, mais piètre voleur. Chaque colonie a un territoire. Quand les scotipous, les oisillons, mais pour les poules on dit poussin, pour les canards on dit caneton, pour les oies on dit oison, donc pour les scotopas on dit scotipous parce que c'est trop chou, de l'année naissent, les jeunes de 4-5 ans s'en vont en quête d'aventure chez les autres colonies pour y rester jusqu'à la fin de leur vie. C'est intéressant parce que ça soulèverait la question de comment s'organise leur insertion dans une nouvelle colonie. Parce que alors, hors oiseaux, pour le coup je laisserai beaucoup de place à Agatha pour les oiseaux parce qu'elle connaît beaucoup beaucoup mieux que moi. Mais par exemple, ça me fait beaucoup penser au fonctionnement chez les hyènes tachetées. Parce que les hyènes tachetées, on est sur des espèces qui sont profondément matriarcales, extrêmement matriarcales, avec des hiérarchies basées sur des conventions et des conventions héréditaires. C'est-à-dire que les petits héritent du rang social de la mère. Tout est basé sur des alliances, c'est très complexe.
Et les mâles, pas tous, mais la plupart des mâles, une fois la puberté arrivée, vont partir et rejoindre un autre clan. Et quand ils rejoignent un autre clan, en fait, ils ont une hiérarchie à part du clan des femelles. Et les femelles, elles, ont des rangs hiérarchiques hérités. Alors que les mâles, eux, quand ils vont arriver dans un nouveau clan, ça va être par ordre d'ancienneté, a priori. Sauf s'ils restent dans le clan maternel, auquel cas, manifestement, ils gardent le rang de la mère. Mais sinon, en fait, eux, ils vont avoir la hiérarchie parallèle au clan des femelles. Et bah, le mâle qui est là depuis plus longtemps aura accès aux femelles de plus haut rang. Le mâle qui est là, au rang dernier, aura accès aux femelles de rang plus bas. Donc c'est intéressant parce que ça pose la question, peut-être chez les Scotopas, de comment est-ce que ceux qui s'en vont. Est-ce que déjà, dans les jeunes, les mâles et les femelles partent? Est-ce qu'on est sur des sociétés patriarcale, matriarcale, ou est-ce que le départ se fait les deux sexes partent? Ça peut être très intéressant à se poser comme question. Pour voir un peu, ça jouerait beaucoup sur la dynamique des groupes, en fait. Parce que finalement, chez les mammifères, chez beaucoup, beaucoup d'espèces de mammifères, on est sur des sociétés matriarcales en fission-fusion, avec des petits groupes de femelles qui sont en général des groupes familiaux, avec les petits de l'année dernière et de l'année actuelle. Et les mâles en général vont vivre, les jeunes mâles vont souvent vivre en petits groupes de mâles et les mâles plus âgés vont vivre en solitaire. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez des espèces très différentes. Typiquement, on va retrouver ça chez des cochons, vous allez retrouver ça chez les chèvres, mais vous allez retrouver ça chez les cachalots aussi, par exemple. Donc c'est marrant parce que c'est très, y a une grosse ségrégation entre les sexes. Et il y a une grande question de pourquoi est-ce qu'on trouve cette ségrégation entre les sexes. Et ça, il y a un gros point d'interrogation là-dessus. L'une des hypothèses, là honnêtement, j'ai pas préparé avant, et comme je disais, je ne suis pas forcément très clair, mais l'une des hypothèses, ça serait une question de budget temporel différent. C'est-à-dire, par exemple, les femelles qui auraient des petits auraient besoin de plus de temps d'alimentation, qui serait pleine, auraient besoin de plus de temps d'alimentation, donc elles passeraient plus de temps à un endroit, alors que les mâles partiraient plus tôt, et ça créerait en fait une espèce de dysynchronie entre les deux groupes, qui créerait en fait bah, des budgets temporels différents, qui ferait que bah, ça créerait deux communautés différentes à la longue. Alors il peut y avoir d'autres raisons à ça, bien sûr, mais c'est l'une des hypothèses. Donc maintenant, on va aller voir le fameux Scotopa œil de chat sur lequel Agatha est en train de travailler. Il diffère du premier par son plumage et par son existence nocturne. Les plumes sont d'une couleur de camouflage, brun chaud et noir, ce qui est assez courant chez les oiseaux, surtout nocturnes, mais quatre plumes bien différentes sont implantées à la base de la nuque. Elles fonctionnent par paire. Quand l'oiseau dort, le bec entre les pattes. Ah oui, c'est celui-là qui est super compliqué. Ok, on va le faire au calme, celui-là. Les plumes sont d'une couleur de camouflage brun chaud et noir. Donc j'espère que tu as les bons stylos, pas les bons feutres. Écoute, on va voir. Il y a quatre plumes, pas une de plus, pas une de moins, mais quatre plumes bien différentes sont implantées à la base de sa nuque. Elles fonctionnent par paire quand l'oiseau dort le bec entre les pattes. Par un phénomène encore inexpliqué, ça c'est un cadeau pour toi, Agatha, ces deux paires de plumes se rapprochent, s'écartent en fonction des jeux de lumière. Plus la lumière est vive, plus elle se rapproche, et inversement. Et surtout, bien qu'à leur base et leur partie supérieure, ce sont les mêmes motifs qu'ailleurs sur le corps, vers le milieu, ils deviennent moins marqués, puis laissent la place au beige. Tout le monde scrute en détail ce que tu es en train de faire pour être sûr que ça corresponde, hein. Ouais. Sinon, tu seras éliminé à Alors. l'acide. Bah déjà, je ne l'ai pas fait dormir avec la tête entre les pattes. Je lui ai mis la tête un peu sous l'aile, l'épaule, là. Ok, Donc, je suis c'est un désolé, c'est la fin peu. du live, Agatha, tu es éliminée. Oh, non! Les aventuriers ont voté contre toi, Agatha. Non. Pas le poteau, pas le poteau! Et sur le bord des Hop. plumes extérieures, dans la partie... Alors, oh putain. Alors j'avoue, moi, cette partie-là m'a troublée. Donc si ta lecture permet de voir plus clair, je ne suis pas contre. Alors, et sur le bord des plumes extérieures. Dans la partie claire vers l'intérieur, ok. Donc, tu as quatre plumes, ok. Tu as quatre Ouais, plumes, c'est donc ce que deux plumes j'essaie de faire intérieures, deux là. plumes extérieures. On va dire que les deux plumes intérieures, ça va être les plumes A1 et A2, et les plumes extérieures sont B1 et B2, ok. Ah merde, déjà moi je les ai fait, j'en ai fait quatre les unes en dessous des autres. Enfin, je suis déjà mal barré. Donc ça veut dire qu'il faut que Ah je les fasse ici non, mais comme tu fais ça. n'importe quoi, mais non, mais Attends, attends, attends. non, bah. Avec les pouvoirs du feutre, regarde, je vais recouvrir. Regarde, hop Non, là. bah, non, bah, c'est non. Hop là, et voilà, on n'y voit rien. Bref. Magie, la C'est. magie.
La réputation de cette chaîne vient de s'effondrer. Bref, voilà, non, mais on arrête. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Écoute, je sais pas, il y a qui sur Twitter qui est dispo Regarde, je là. fais des yeux. Ah, Donc, et sur le bord tu des veux. plumes extérieures, donc ça, c'est les deux plumes B, les plumes extérieures, un peu l'équivalent Ouais. si on était sur des ailes, des rémiges primaires, on va dire. Dans la partie claire, vers l'intérieur, mais c'est l'intérieur des rémiges primaires quand même, il y a un point noir coupé par le bord de la plume, mais complété par la plume intérieure, donc qui serait les plumes A, Non, mais oui, mais on va complétant dire que ça marche quand l'artère. même. Donc en fait, Ouais, c'est comme si tu sinon. avais une plume de, par exemple, d'Argus, mais qu'en fait, la sphère serait faite par deux plumes. Tout à fait, tout à Alors, fait. Joy, tu vas te calmer tout de suite? Tu vas te calmer tout de suite? Effectivement, elle a une réputation, cette chaîne, une réputation menée tambour battant auprès de sa communauté riche d'une douzaine de personnes. Alors on se calme. Ainsi, Non, mais si, on comprend qu'il y a une histoire de deuil. Elle est pas là, la créatrice, pour nous dire alors, à quel point je me suis gourée ou pas? je ne sais pas si on comprend qu'il y a une histoire de deuil, mais en tout cas, il y a un deuil, ouais, ça c'est sûr. Ainsi, suivant l'intensité de la lumière. Un oiseau ayant Pardon. évolué sans félin dans son environnement se fait passer par... Oh putain, oui, c'est vrai, il y a ça. Il y a les félins. Ah, t'es pas dans la Je peux merde. rajouter un petit félin dans la foulée. Ah, va falloir faire un chat. Ainsi, suivant l'intensité de la lumière, un oiseau ayant évolué sans félin dans son environnement se fait passer pour tel. Une coopération s'est mise en place entre les deux espèces. En plus, elle se prie bien, elle se garde bien de nous parler de quel félin on parle. Ils vivent en Donc. colonies communes. Les uns couvent en dormant pendant que les autres vont se nourrir, explorer, s'occuper des jeunes, défendre la colonie et son territoire si besoin est. Et là, immédiatement, j'imagine les félins en train de couver des œufs. Ce serait très mignon. Ça serait absolument trop chou. Ça fait vachement penser, ça, aux vidéos des poules qui couvent des chatons. Ce qui arrive bien sûr tous les jours. Naturellement, la poule couve le Ah chaton. bah, systématiquement. La poule couve tout et les chatons. En fait, tous les bébés sont des chatons à un moment ou à un autre, peu importe l'espèce. Il semblerait que les plumes des yeux des Scotopa œil de chat se mettent à se frotter d'une façon caractéristique, étrangement semblable à un ronronnement lorsqu'un individu ayant beaucoup d'affinités passe à proximité. Plus globalement, les Scotopa, donc les Scotopa et les Scotopa felis, sont de la taille d'un faisan, avec des pattes fortes et musclées, adaptées à la grimpe, également dotées d'un bec fort dont la partie inférieure se termine par une sorte de dague pour grimper, cueillir des fruits, couper avec le bec, ramasser en bas ou tenu Ah, avec la patte, alors la retourner partie les œufs, inférieure, comme ça. éclore quand on veut devenir un scotipou. Cette partie est plus courte mais plus tranchante chez l'espèce nocturne. Heureusement que mon ordi est éteint, sinon je serais en train de faire une fiche dans le style oiseau.net. Ah la vache! Ah, c'est lâché, hein. Bon, du coup, ma dague, attends, bon, je vais essayer de faire des trucs parce que là, c'est... On va dire qu'elle a de la peau Est-ce nue. qu'il existe des oiseaux qui vivraient avec des félins? Parce que je sais que tu as des primates qui vivent avec des. Je crois que c'est des espèces de renards ou des espèces de loups. Alors moi je connais juste les babouins qui volent les chiens. Je sais pas si c'est cette anecdote-là que tu veux Non, évoquer. c'est pas celle-là. Je vois de quoi tu parles, mais c'est pas celle-là. Parce que là, on est quasiment Ok. sur une domestication sur celui dont tu parles. Ouais, mais ça me perturbe vachement parce que en gros, on en parle genre dans un docu BBC, mais je crois que personne ne l'a étudié. T'as Ça, c'est mon intérêt pour ça. côté relou scientifique, mais du coup, il n'y a pas trop de. Mais ça serait bien que des gens travaillent dessus. C'est peut-être même le cas, mais je crois pas qu'il y ait encore de trucs publiés. J'ai rien vu passer en tout cas là-dessus. Ça fait penser au machin qui tourne beaucoup en ce moment où il y aurait eu une rébellion chez des primates qui auraient flingué plus de 200 chiens parce qu'ils auraient tué un petit primate. Je sais pas si t'as vu passer ça fait 2 jours que ça n'arrête pas de tourner. Ah non, j'ai pas vu du tout. Je sais plus exactement où c'est, je crois que c'est en Inde, mais tu vois, c'est rapporté par des villageois et il y a genre 2 photos. Donc on a Ok. vraiment quasiment aucune info. Je suis fou dans les clients. Bah là, comme ça ne me dit rien. Alors on a. Bon sang, il faut. Attends, je sais que ça existe parce que je vois une photo en tête, mais j'arrive pas à me souvenir de quel primate c'est. S'il y a des gens dans le chat qui s'en souviennent. Oiseaux suricates pour fourmis. Des oiseaux suricates. Ah, il y a Ah, le les drongo oiseaux. avec les suricates. Mais le drongo, tu sais, en fait, il imite plein de bruits, de cris d'alerte.
Et bah, en fait, des fois, il a l'air vraiment Issuricate qui, du coup, sauve leur peau. Et puis, des fois, il fait semblant. Et du coup, il pique la bouffe de ceux qui... De ceux qui se sont sauvés. Typiquement, s'il y avait une petite suricate trop mignonne qui trouvait un scorpion juteux et que le drongo, pardon, s'en rend compte, il fait un faux cri d'alarme, la suricate lâche sa bouffe et le drongo va le manger. Mais du coup, il faut qu'il fasse attention parce que si il faut qu'il garde la bonne proportion de, il faut quand même qu'elle continue à me croire. Donc, il faut qu'il fasse peu de fois de l'arnaque pour qu'elle continue à le faire, enfin, lui faire confiance. Je sais pas si je suis claire parce Tout à que fait, voilà, mais je me battais avec mon Posca. c'est super intéressant comme truc. Voilà, Anaïs, c'est le grand indicateur à qui tu fais référence. Qui sont les oiseaux qui arrivent il et un guide nouveau les sont gens né. avec le miel C'est là. ça, ouais. Ouais, tout à fait. Bon, alors du coup, je suis un petit félin dans la foulée, on est Mais parti. c'est super Allez, son intéressant copain. le coup justement du mensonge. Il vient tout juste de sortir une publi, mais genre elle est sortie aujourd'hui. J'ai pas eu le Oh, temps de la lire waouh! encore, je l'ai juste traversée, où ils ont montré que des poissons font ça avec des oiseaux. Les poissons se font chasser par des oiseaux, donc ils les mangent. Et en fait, une fois que les oiseaux ont commencé à piquer sur l'eau, les poissons en groupe remontent à la surface et font plein de vagues à la surface, mais replongent immédiatement pour faire croire aux oiseaux qu'il y a un poisson en fait pour les perturber, pour que en fait ils soient confus dans tout le mélange de vagues, qu'ils n'arrivent plus à déterminer où est-ce qu'il y a un poisson ou est-ce qu'il n'y en a pas. Waouh, c'est fou. Et alors j'ai Je pas l'ai eu. pas vu passer du tout. Elle est sortie aujourd'hui. Je l'ai vue passer sur Eh Twitter. bien. J'ai pas eu le temps de lire en détail ce qu'il y avait dedans, mais en fait, cette question du mensonge, elle est vachement intéressante parce que, bah, moi, j'ai beaucoup étudié sur les poules aussi, parce que effectivement, on observe très peu de cas de mensonges chez les animaux pour une bonne raison, c'est que, bah, en réalité, il faut que la communication soit fiable si on veut qu'elle serve à quelque chose. Et à partir du moment où une société ne peut plus se fier à la communication qui est donnée par ses membres, et ben en fait tout s'effondre parce que bah, à partir du moment où tu n'as plus de confiance dans ce qui est dit, bah, tu n'as plus de communication valable, parce que tu n'as plus de communication valable, tu n'as plus de structure sociale valable. Parce que toutes les et ça c'est valable pour tout. C'est-à-dire par exemple, on sait que si un animal est très gros et que le fait qu'il soit très gros n'indique pas qu'il est très fort, et ben d'un coup ça donne des informations, on peut plus se fier à rien. Et on peut plus savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui fait, c'est un des trucs qui fait qu'aujourd'hui, dans les sociétés humaines, on a vachement de problèmes avec une énorme masse d'informations qui fait qu'on n'arrive plus à savoir quoi croire et ce qu'on ne peut pas croire. Ben, en fait, on se retrouve avec une communication où on n'arrive plus à déterminer les choses valables et notre société en pâtit énormément, justement de la base que normalement, il devrait y avoir une proportion infime de mensonges dans la communication pour que les mensonges fonctionnent et pour que la communication fonctionne. Parce que normalement, bah, plus personne ne croit personne, donc les mensonges ne marchent plus, la communication ne marche plus. Quand je regarde sur le côté, c'est parce que je regarde le chat, hein, il est sur ma fenêtre du côté. Moi, je vois pas ta tête. Hein. Donc, très bien. Je te crois aveuglément. Voilà. Je fais une libre interprétation d'un chat de Téminc. Je me dis, vu que c'est des faisans, tout ça. Voilà. Les chats de Téminc, ils vivent dans les forêts que personne connaît en Asie. Ils pourraient très bien aller en Nouvelle-Zélande. Hein, pourquoi pas? Je vais essayer de Moi, je retrouver pense que. ce dont je parlais, les primates qui vivent avec des. Ah oui, c'est ça, je crois que c'est avec des loups d'Abyssinie. Oui, c'est ça, c'est les Gélada. C'est les Gélada et les loups d'Éthiopie Wow. qui acceptent de vivre ensemble. En gros, de ce qu'ils avaient montré. Bah attends, je vais lire le truc. Alors après, c'est un article Futura, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais vu passer l'étude, donc c'est un truc qui a vraiment été étudié, qui est correct. Pour le coup, les Gélada, on parlait d'agressivité tout à l'heure, ils ont des trucs très ritualisés, mais quand ils se tapent dessus, c'est très impressionnant. Les primates, Ils c'est font un quand peu même. flipper les Gélada. Hein. Oui. Moi, j'avoue, ils me font flipper. Les En primates en plus, ils ont des général. canines de 20 cm. Ouais, dedans, il montre que dans 68% des rencontres entre Gélada et le loup d'Éthiopie, il ne fuit pas. Dans plein de cas, il reste même à côté. Et en gros, les loups, quand ils se baladent au milieu des Gélada, en fait, les rongeurs sortent facilement au milieu des Gélada parce que les rongeurs n'ont pas peur quand ils sont au milieu des primates. Et les loups, du coup, chassent au milieu des Gélada.
Et pour les primates, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Je sais plus. Enfin, il y a un article Futurascience dessus. Si vous regardez le loup d'Éthiopie, mais surtout, il y a un vrai article qui est sorti dans Journal of Mammalogy. Oh yeah. Oh yeah. Très bien. Il est 21h40. Nous avons fait deux dessins. Tout va très bien. On est bon. Non mais regarde, j'ai fini mon chat. Je l'ai fait qu'il ronronne. Vision d'artiste rapide. Ah Voilà, ouais, et il faut me faire l'oiseau confiance. ronronne avec ses Avec trucs. ses yeux. Bon sang, Agatha, boum! Tout fait Faut sens. déjà que voilà, j'ai pas forcément mis les yeux au bon endroit, tout ça, qui dort pas avec la tête entre les pattes. Je me dis bon, voilà. Tout Voilà. fait sens. All right. Attends, il faut que je mette son nom parce que j'ai pas mis son nom à côté de l'autre oiseau Mets tout à son l'heure. nom. Donc celui-ci, c'est le Scotopa. Scotopa œil de chat. Je vais le noter comme ça, on le sait. Du coup, il faut que j'aille chercher Le mes mines. Scotopa œil de chat. Et forcément, j'ai pris le feutre qui a envie de mourir. Est-ce que c'était un bon choix? Ce n'était pas un bon choix. Le Scotopa œil de chat. Oui. Et voilà. Et celui d'avant, je vais le noter pendant que tu refais le point sur où qu'on en était. C'était le Vaiatatiktik. Le Vaiata Hop. Tic-Tic. Je suis juste Ça en train fait. de rapprocher ma tablette pour pouvoir dessiner. Puisque, donc, contrairement à Agatha, moi je vais dessiner sur tablette. Le seul tout petit inconvénient, c'est que normalement il faut que je me rapproche énormément de mon bureau. Et à l'heure qu'il est, j'ai un chat sur les genoux. J'ai ma pouillette sur les genoux. Et donc ça va être un peu compliqué de m'approcher du bureau, mais nous allons faire au mieux. Oh, Hop. mignonne. Alors, on va. Hop. Alors moi je me remets clac, je rechange de Ok. webcam. Alors moi Alors je vais attends, passer. clac. Je te laisse Hi. revenir. Et je reviens et je remets ma deuxième webcam et voilà, bonjour. Ah oui, Xian Alors Moriarty, pardon, je réponds, j'avais pas vu Xian Moriarty. Oui, les coquements, il y a une vidéo sur la chaîne. Hop, pardon, je reviens une seconde là. Il y a une vidéo sur la chaîne précisément sur cette question, sur la communication et vocalisation chez les coqs. Et effectivement, alors il y en a une dont je parle parce qu'elle a été bien étudiée, où on montre que les coqs mentent par omission. Mais on a aussi une étude dont je ne parle pas parce qu'elle est un peu controversée, mais qui est intéressante, c'est qu'ils ont voulu faire des tests. On sait que les coqs, quand ils appellent les poules, quand ils ont trouvé la nourriture, ils appellent les poules pour leur dire j'ai trouvé quelque chose pour les séduire. Et il y a une étude qui a montré qu'il y a des coqs qui, quand ils trouvent quelque chose qui ne se mange pas, en l'occurrence c'est une coquille de noix, ils produisent quand même le son d'appel quand c'est une femelle qu'ils ne connaissent pas et qui est suffisamment loin pour pas voir exactement ce que c'est qui est devant eux. Et donc, ils soupçonnent que peut-être que le coq, à ce moment-là, est en train de mentir. Ce truc-là est un peu controversé, etc. C'est pour ça que je ne l'ai pas détaillé, je ne l'ai pas expliqué dans les travaux, mais il y a aussi ce machin-là qui... C'est intéressant. c'est rigolo quand même. Ça C'est pose des rigolo. questions en tout cas. Mais sinon, avec Xian Moriarty, bah, si tu vas sur la chaîne Cerveau d'oiseau, ouais, j'ai plus le nom. Bah, je crois qu'elle doit s'appeler « Les coqs sont-ils de fieffés menteurs » ou un truc comme ça. C'est pas très vieux comme vidéo. Et bienvenue, du coup. Alors, c'est moi et qui passe au gribouillon. Et moi, je n'ai pas le talent d'Agatha, donc je vous demanderai Oh, un maximum de... stop it, stop it. En revanche, moi, comme je suis une assistée, j'ai pas du tout ouvert le live, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que tu pourras jeter un œil pour vérifier qu'il n'y a pas Alors, des questions, des ouais, choses, des je machins? vais le Ou c'est switch. compliqué et tu veux que j'ouvre C'est juste que j'ai peur de faire crasher notre Zoom slash connexion si Non, j'ouvre un truc je en vais plus, switcher mais. l'écran. Hop, je vais juste me switcher d'écran, comme ça Ok. je le vois sur mes deux écrans. Hop là, Et. voilà. Clac. Alors, moi, j'ai le sarcélophyte déprimé. Tout à fait, Donc, Sarcellophyta depressa. ouais, on avait dit qu'on faisait un... Tu es ready? Je suis ready. C'est une espèce de croisement, donc, de Je sarcellophytes vais relire la divers. présentation. En plus, elle est Ouais. très détaillée. Et Je crois que c'est la dis-moi. plus longue Ok. que l'on ait de nos oiseaux. Alors, donc c'est la découverte de Martin Baudet qui explique donc la Sarcellophyte déprimée ou Sarcellophyta depressa. Son origine est surprenante et découle d'une reproduction qui n'aurait jamais dû réussir. Il était une fois, il y a fort longtemps, une femelle sarcelle d'hiver qui se sentait très seule parmi les siens et avait l'âme d'une anticonformiste. Un jour, elle entreprit un long voyage depuis la Camargue française pour atterrir en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Nord.
Elle arpenta l'île en rencontrant beaucoup d'oiseaux d'espèces différentes et finit par se lier d'amitié avec un moa géant de l'île du Nord, Dinornis Novazelandiae. Ce qui ne devait pas arriver arriva quand même, et l'accouplement entre les deux espèces eut lieu et réussit, et donna à nos deux protagonistes une progéniture de 14 beaux bébés. Ils ressemblaient beaucoup à la sarcelle d'hiver, mais n'avaient pas d'ailes, caractère hérité de leur père. Alors, ce sont des oiseaux qui ne peuvent se reproduire qu'avec des moas, qui ont malheureusement disparu depuis un bon moment. Les seules fois où l'homme a tenté d'accoupler des sarcellophytes, cela a donné une chimère qui mangea tous les humains de village avant de se suicider depuis une falaise. Donc, pas une bonne idée. Il y en a même certains qui ont tenté de s'accoupler avec des sarcellophytes, mais nous n'en parlerons pas ici, c'est déjà bien assez glauque comme ça. Nos 14 sarcellophytes déprimés, ayant hérité du caractère solitaire et rebelle de leur mère, poussèrent le contraste encore plus loin en allant s'installer dans la seule région désertique de Nouvelle-Zélande, le désert de Rangipo, j'espère que je prononce bien. Ce sont donc des oiseaux habitués au climat aride, se nourrissant uniquement d'organismes xérophytiques. On ne comprend pas trop pourquoi, mais cette espèce, ne pouvant pas se reproduire, n'a pas l'air d'être mortelle. Nous n'avons en tout cas jamais assisté à un décès de sarcellophyte depuis que l'homme existe. Elle ne compte visiblement aucun prédateur, mis à part l'homme, mais il est bien connu que l'homme est incapable de faire du mal à son environnement. Chaque individu arpente le désert en solitaire et passe sa journée à manger surtout des plantes et à rechercher des partenaires pour s'accoupler en vain. Tous les 118 ans, elle passe 3 ans et demi, ça dépend des individus, à faire des parades amoureuses avec tout ce qu'elle trouve, notamment les plantes et les insectes. Malheureusement, rien ne fonctionne et la sarcellophyte déprimée a bien l'air d'être condamnée à vivre éternellement à la recherche de partenaires pour s'accoupler. À force de ne pas s'accoupler, plot twist, leurs organes génitaux ont fini par pourrir, puis ont disparu, pour laisser place à des sortes de végétaux qui fleurissent pendant les années de parade nuptiale. Il peut alors arriver que des individus se regroupent et organisent de grands concours pour définir un vainqueur de la plus belle inflorescence. Il arrive également que certains individus laissent germer des graines en eux pour augmenter leurs chances au concours en faisant des magnifiques compositions florales sortant de l'emplacement de leur pseudo-pénis résiduel. Ah, et une dernière chose, si vous observez une sarcellophyte déprimée, eh bien, je vous conseille de consulter immédiatement. La sarcellophyte. Attends, du coup, moi, je vois pas ce que tu fais. Il va falloir que je vois au fur et à mesure. Alors donc la sarcellophyte, donc un mélange de sarcelles d'hiver, donc un canard au mâle coloré à la femelle plutôt marronasse, hein, Du coup, comme j'ai rien souvent trouvé sur un chez nos mâle, hein, canards. comme on peut le constater. Et du coup, alors moi j'avais pris quelques petites notes, parce que je m'étais dit, il y a des trucs rigolos à raconter quand même. Bon, déjà, moi je dis chapeau, parce que l'inflorescence dans le pseudo-pénis, je trouve ça extraordinaire. Ah, Hein, carrément. je pense quand même que c'est quand même pas mal. Alors, j'avais pris quelques notes pour raconter des trucs pas trop débiles. Alors, déjà, sarcellophyte déprimé. Donc, je ne sais pas si le créateur est là, mais il y a des animaux déprimés qui existent. Il y a la libellule déprimée. Et ça ne veut pas dire qu'elle a le seum ou qu'elle a le blues. Ça veut dire dépressa, c'est que son abdomen, en fait, a une forme un peu plate, une dépression, mais une forme de dépression. Et c'est pour ça qu'on a donné son nom. Alors là, je ne crois pas que le nom déprimé de notre sarcellophyte ce soit en fonction de la forme de son abdomen, mais voilà. Mais il y a aussi d'autres bestioles qui ont des noms un peu émo. Par exemple, pour de vrai, il y a la tourterelle triste qui existe, qui s'appelle la mourning dove, la dove veuve, enfin, ouais, qui est en deuil. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je trouvais ça rigolo. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas des grands experts en botanique, les plantes xérophytiques sont des plantes grasses comme les cactus ou des plantes avec des grosses. Comment on dit ça? Ce n'est pas des pétales, mais en gros, qui ont des. Ce n'est pas non plus des inflorescences, je cherche le nom. Ah, ma licence de biologie est bien loin derrière moi. Mais il y a ces espèces, enfin, comme les plantes grasses, quoi. Voilà, je vais arrêter de chercher des mots compliqués. Et donc, qui sont adaptées au milieu aride. Donc, déjà, je pense qu'il faut un canard avec un bec costaud pour manger ce genre de truc. Et j'ai un peu lu des trucs sur le moa, parce que le moa, pour celles et ceux qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble, donc c'est un oiseau qui, comme est raconté dans l'histoire de la sarcellophyte, est disparu. Alors moi, j'ai découvert il y a peu qu'en fait, parce que moa, on imagine toujours cet oiseau géant, qui fait quand même presque 3 mètres de haut, pour 250 kilos, qui avait des plumes qui, je pense, devaient ressembler un peu à casoar, kiwi, des plumes fines qui permettent pas le vol, puisque c'était un ratite, donc un oiseau qui ne vole pas, avec que des ailes atrophiées, voire absentes.
Et en fait, des Moas, il n'y en avait pas du tout que de cette forme-là. On estime qu'il y avait entre 9 à 23 espèces de Moas différentes, et les plus petits faisaient la taille d'une grosse dinde. Alors ça fait moins épique, mais je trouve ça rigolo. Et on pense que les Moas, on n'est pas sûr, hein, parce que en fait, les Maoris les ont côtoyés, mais on pense que les derniers Moas ont disparu sans doute à la fin du XVIIe siècle. Peut-être 19e pour les espèces les moins imposantes, parce que oui, c'est sûr, un oiseau de 3 mètres, quand on voit, tu les vois et quand tu les vois plus, ça se remarque. Pour des petites dindes qui se cachent dans les fougères un peu partout, c'est plus compliqué. Et voilà, apparemment, leurs os, je crois qu'il y a pas mal de traces archéologiques qui font qu'on a retrouvé des lances, des pointes de flèches taillées dans de l'os de Moa. Donc clairement, les habitants en ont consommé. Et en effet, il y avait deux espèces de moas géants, une sur l'île du Sud et une sur l'île du Nord. Et donc voilà. Et En fait, apparemment, les Européens, je crois qu'ils ont surtout. Enfin, l'un de ceux qui s'y est le plus intéressé, c'est Richard Owen, encore lui, qui était. Ouais, ça n'avait pas l'air d'être un être humain très sympathique, mais c'était un peu le chef du musée d'histoire naturelle de Londres. Et c'est à lui qu'on doit le mot dinosaure, tout ça, un peu le fondateur de la paléontologie. Et en fait, il a observé un truc que je trouve rigolo, c'est qu'apparemment chez les Moas, et il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve chez les autres ratites, donc les émeus, les casoars, les kiwis, ils ont une structure du palais assez caractéristique, ils ont un type de plume un peu spécial, et ils ont des sutures sur le crâne qui normalement disparaissent quand ils sont petits, mais qui persistent à l'âge adulte chez eux. Et du coup, lui, il racontait que les Moas, en gros, c'était des espèces de poussins qui étaient devenus gigantesques, parce qu'ils gardent des caractéristiques juvéniles même en étant adultes. Et voilà. Et en fait, on s'est rendu compte aussi en faisant des études de squelettes, parce que des squelettes de Moa, on en a tout plein, que apparemment les Moas avaient un développement très lent. On pense qu'ils mettaient 10 ans à atteindre leur taille adulte, alors que nos oiseaux actuels, ça carbure, quoi. Enfin, ils vont vraiment très très vite. Donc voilà, le Moa. Donc bon, moi j'imagine un tout petit peu l'accouplement, ça doit être compliqué. Un truc qui est vachement Entre intéressant, c'est en fait, les Maoris, quand ils sont arrivés, ils restaient vachement sur les bords, ils ne rentraient pas sur la terre, et, sauf pour aller tuer des Moas. Parce que justement, ils s'en servaient pour faire tout un tas de lances, de machins comme ça. bah, c'est dingue, mais apparemment des ossements, il y en a beaucoup beaucoup qui ont été retrouvés, donc mais bon, c'est sûr que ça devait faire un bon beefsteak. Un piaf de 250 kilos, il y avait de quoi faire. Du coup, je t'ai Et coupé, pour j'ai le côté continué. inflorescence, moi je me suis posé, est-ce que ça existe en vrai des oiseaux qui ont comme ça des interactions particulières avec des plantes? Alors oui, bien sûr, il y a tous les oiseaux pollinisateurs, on parlait un petit peu des colibris et de plein d'autres oiseaux, genre les méliphages aussi qui se nourrissent de pollen et donc qui ont un rôle à jouer dans la pollinisation. Mais j'ai rien trouvé de aussi intense que notre sarcellophyte déprimé. En revanche, on en parlera peut-être plus tard, en oiseau bizarre de Nouvelle-Zélande, il y a bien sûr le kakapo, dont on parlait tout à l'heure, et qui se fait, enfin, qui viole des journalistes anglais en direct. Et le cycle du kakapo est très lié au cycle d'un fruit qui s'appelle le rimu, qui est une baie qui ne fleurit, enfin, qui ne mûrit pas tous les ans. Et l'année où il y a des rimus, il y a des kakapos. Donc c'est pas aussi intense, mais des animaux qui calquent vraiment leurs habitudes de vie sur des fruits et des plantes, ça existe. Donc voilà. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse sur le kakapo, moi je suis régulièrement la page du. Alors je ne vais pas dire de bêtises, c'est le Conservation Department of Auckland, je crois. Enfin bref, le département de conservation des espèces de Nouvelle-Zélande qui ont investi des milliards dans la sauvegarde du kakapo. Ah bah c'est Et ils vous le disent biosphère, hein. année par année combien il va y avoir de rimous, est-ce que ça va être une bonne année pour les poussins, combien de naissances ils attendent et tout. Et voilà. C'est un peu comme ton quintet, mais avec des cacapos. Mais moi, je trouve ça cool. C'est le DOC, non? Le Department of Conservation, le ministère? Ouais, exactement. Et le site est très cool. Et c'est vrai que sur les réseaux, ils sont actifs aussi sur Twitter. Ils postent régulièrement des choses. Alors, des fois, c'est on a retrouvé Gilberte, on a dû changer la puce de machin, etc. Mais ouais, c'est vraiment un suivi piaf par piaf, quoi. Donc, c'est cool. Puis de voir tous les moyens, parce que outre le fait de vraiment suivre les oiseaux, ils ont développé des outils de technologie vraiment ultra poussés, quoi. Je trouve ça fou. Voilà. Et sur les sarcelles, bon, c'est un peu du spoiler, mais on a d'autres canards à venir. Parce que bien sûr, moi les canards, j'avoue, je suis pas super à l'aise parce que c'est pas les oiseaux que je connais le mieux.
Et le truc qu'on retient des canards, c'est quand même le fait qu'ils ont des gros zézés. Et je pense qu'on va en parler largement plus tard. Donc je me dis, on va regarder sous le coude pour la suite. Moi Puis j'ai en fait plus, si on pointe ma. du sexe, les gens vont rester. Voilà, moi j'ai fait ma grosse inflorescence. Hein. Voilà, hop. Celui-là, il a laissé germer des graines chez lui, hein, clairement. Donc avec pseudo-pénis. Voilà. Oui, on est sur un mâle, hein. On est clairement sur un mâle. Du coup, j'ai grossi le bec. Hein. Tu m'as dit qu'il y avait un très gros bec, très solide. Donc, je Bah, suis je me assez. dis juste que pour bouffer du cactus et de la plante grasse, faut ce qu'il faut, quoi. Et du coup, tiens, on va faire un bec qui va aller chercher une espèce de grosse ligne de mâchoire. Un peu comme chez un mammifère. Hop. On va faire un bec qui avance. Et qui va chercher une ligne de mâchoire comme ça. Il y a des oiseaux comme ça qui sont ultra chelous. Comment est-ce qu'ils s'appellent? C'est des becs en ciseaux où la mandibule du bas est plus longue que la mandibule du haut et ça leur donne un look improbable. Ils ressemblent vraiment pas à grand-chose et pourtant ça fonctionne. Comme quoi. Et par rapport à un arbre, pour avoir un niveau d'échelle, un arbre comme ça. Au final, Voilà! dans la description, on ne sait pas trop quelle taille il fait, hein, parce qu'on Ben sait que non. c'était un papa Moa, mais ils n'ont pas de prédateurs, donc ça doit être suffisamment gros pour que les chiens et toutes les bestioles qu'il y a en Nouvelle-Zélande ne les bouffent pas. Oh, clairement, on a une. Voilà, on a une bestiole qui est comme ça, qui court. Donc moi, je lui ai fait. Du coup, j'essaie de rester assez proche d'une patte d'un gros oiseau bipède de type Moa avec une tête de canard à la j'aime pas du tout le bec, je vais le refaire. Non, je vais peut-être hop Photoshop. Attends, moi j'essaie de voir parce que du coup je ne vois pas. Attends, je vais aller Ah bah voir oui, t'es sur pas sur YouTube. le Je vais aller voir sur YouTube. ah pourquoi je n'ai plus de Alors, pourquoi est-ce que je n'ai plus de stylo? Très bien, je vais faire un autre calque avec ça. Oula, attends, j'ai un problème, j'ai plus de peinture. Oh non. Ah oui, ça y est, je vois l'inflorescence. En effet, Ah oui, je fais une c'est grosse. un canard bien membré. Mais j'ai plein d'anecdotes pénis de canard pour plus tard si vous voulez. Je crois que je sais ce qui se passe. Ouais, c'est bon. Donc pour les gens qui utilisent Photoshop, ce qui se passe des fois quand vous faites une sélection et que le truc ne, que vous n'avez plus à dessiner, c'est qu'en fait il y a une mini-sélection quelque part sur votre écran que vous ne voyez pas. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Hop, tiens, je vais même lui faire un bec un peu plus comme ça pour qu'il puisse creuser. Hop. Allez, puis ça ira bien sur celui-là. Hop. Et voilà, je suis navré, j'aurais beaucoup aimé faire mieux que ça. C'est pas terrible. On reconnaît bien la sarcelle, t'as fait les motifs du mâle Ouais. sur les plumes. Tac. Et ses pattes vigoureuses. Ah oui, c'est celle du Moa, c'est le papa. Hein. Ça, c'est tout le papa. Hop. On essaie de récupérer un peu du bréchet. Tac. Allez, hop, ça ira bien. Alors du coup, je suis pas sûre, mais j'ai lu que chez pas mal de ratites, il y en a qui n'ont pas de bréchet. Donc, je ne sais pas si le Moa avait un bréchet ou pas. Grosse question. Une bonne question. Mais on peut dire qu'il a tout pris de la sarcelle. Hein. Oui, il a pris le bréchet de la sarcelle, puis voilà. Et donc, on a affaire à un animal qui, hop, comme ça, de là à là, fait 1,75 m. Un beau canard. Donc voilà, c'est un beau canard. On me dit de monter mon son. Je m'en excuse bien, mais en fait, j'ai pas vraiment moyen de. Faut que tu cries. Je sais pas, vous m'entendez vraiment tous aussi peu fort parce que en fait, c'est je peux pas y faire grand chose en vrai. Je peux essayer de. Hop, 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 attends, je vais regarder dans mes Ou filtres. peut-être dans les paramètres du live sur YouTube directement, non, je sais pas. Bah non, parce que toi, ils t'entendent bien. Ah. Je vais mettre un filtre de gain. Hop, je vais mettre un gain, peut-être un gain, peut-être pas trop fort à 3. Clac. Mais moi, je me vois déjà à la limite à 0 décibel. Hein, donc voilà. Bah, c'est mis. Ok. Oui, bah oui, bah surtout quand elle te court dessus comme ça avec un pénis géant. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer que il tire des graines avec. Parce que pourquoi pas? Donc, nous allons effectivement avoir des graines comme ça qui sont pulvérisées. Non, non, j'aime pas trop comment ça se représente. Non, on va faire comme si j'avais rien dit. Voilà.
Sublime. Je regarde avec mon téléphone, c'est pour ça que je regarde en biais, mais Ok, non, une grosse c'est différence entre nous sublime. deux. Je baisse un peu Agatha, je me suis un peu monté moi, vous me direz si ça va mieux. Oui! Chaud la survie avec cette taille? Oui, mais globalement, il mange pas beaucoup parce que Et puis il est immortel. il est immortel. Voilà. Voilà. Pourquoi il est immortel? Parce qu'en fait, ce que personne sait, c'est que ici, en fait, il y a une batterie Duracell et tout le monde sait très bien. Le stream est sponsorisé par Duracell. Tout le monde sait très bien que tu... que ça dure indéfiniment. Voilà, très bien. Allez, sur ces bonnes paroles, j'ai dit que j'étais sous médicament. Ok, donc. On est bien là niveau timing, hein. Ah, génial. Une heure, quatre oiseaux. Ah, Ah, non, on est on tient nos parfait. On promesses. est On tient nos parfait. promesses. On est extra. Du coup, j'avais. Et il y avait. Donc, le Kiruka à bec dur. Alors, à savoir, d'ailleurs, oui, il m'avait dit d'en parler, puisque le Sarcellophyte, c'était l'un des vainqueurs, c'était Martin Baudet. Martin Baudet qui a un compte Instagram de photographie animalière. Et je vais tout de suite regarder dans mes mails, comme ça, je vous redonne immédiatement le nom de son flic. Non, c'est un flicker qui l'a. Waouh. Alors, ben je vous laisserai regarder. Son truc s'appelle Xero. Ouais, je vais le faire avec une couleur qui se lit plutôt. Xero espace fit. Voilà, a priori, c'est Ah, donc il a un truc avec les plantes qui résistent au... très Parce qu'il a dit probablement. Xero, ouais, parce qu'il l'avait placé dans sa description. Et donc, comme on allait attaquer sur celui de Petite Sarcelle, et a priori, ils se connaissent très bien tous les deux, c'est pour ça aussi qu'on a pris la décision de le mettre dans le même, Petite Sarcelle me disait de parler sur Twitter du hashtag espèce ID. Ah oui, Ça, c'est c'est en pour minuscule. identifier, ouais. Voilà, exactement. Ça en majuscule pour l'identification d'animaux, tout ça, tout ça. C'est bien pratique, parce qu'il y a Donc. plein de gens quand même ultra calés sur Twitter et qui peuvent t'identifier avec précision des bestioles que moi, typiquement, je ne saurais pas identifier. Genre différents pouillots, des petits trucs marronnasses, là. J'aime pas les pouillots, je trouve ça insupportable. Faut compter le nombre de plumes pour savoir quelle espèce c'est. Ah, moi, le truc Moi, je... qui m'a flingué, c'est les reconnaissances d'insectes sur Twitter aussi. Ah bah oui, non mais C'est ça c'est un exceptionnel. niveau encore au-dessus. Hein. Oh Moi il y là a un là. été, j'étais naïve, pleine de joie de vivre. Je m'étais dit, oh bah là, il y a quelques papillons, ça va être facile. Pff, mort, Non, mort. mais non. Tu te dis, oh un petit papillon, c'est un azuré. Il y a 8 pages Mais non. avec 35 000 sortes de papillons bleus azurés. Et tu te dis, non mais c'est mort. Du coup, j'ai complètement laissé tomber l'entomologie. Oh, les gens qui font les insectes, Beaucoup trop intense. ils ont trop de temps entre leurs mains, les gens qui s'occupent des insectes. Coucou, ça va, Joseph? Salut. D'accord, très bien, Joseph. À bientôt. Et donc, dans la Du foulée, coup, on on enchaîne sur le Kiruka va. avec dur. J'enchaîne sur le Kiruka, qui est donc Tu un es chaud canard patate. proche des éiders. Et les éiders, globalement, si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble à une pompe de sport. Globalement, ça ressemble à une chaussure Nike, en gros, Y qui a un se peu de la ça. Ils pète. ont un angle entre le bec et la tête qui est le même. Enfin, Ouais, ça fait vraiment. c'est un peu ce qu'on appelle les profils égyptiens, là. C'est C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. une espèce de profil. Je vais changer de brosse, j'aime pas cette brosse en fait. Clac, est-ce que c'est mieux ça? Voilà. Alors, du coup, allons-y pour le Kiruka à bec dur. Kiruka durarincha Alors, est c'est. un canard de la famille des Anatidés, proche morphologiquement des éiders. Il est cependant plus proche phylogénétiquement du genre Anas, et en particulier des sarcelles d'hiver, avec qui il partage malgré tout la couleur du miroir et la petite taille. Donc, le miroir, c'est normalement, si je ne dis pas de bêtises, les plumes qui brillent, qu'il y a souvent sur les ailes des canards, comme C'est ça, chez sur nos leur arrière colvers. des ailes. La petite tache de vert violet qui brille, c'est le miroir. Ensuite, du coup, régime alimentaire. Ce canard est essentiellement frugivore, mais son régime change au cours des saisons. Le Kiruka à bec dur consomme quasiment que des fruits à partir de la fin de l'hiver et jusqu'en été, août à janvier, il consomme de plus en plus d'insectes à partir de la fin de l'automne. Il se nourrit grâce à son bec, renforcé à l'extrémité d'une callosité noire bleuâtre chez le mâle nuptial.
qui lui permettent d'ouvrir des fruits pour en manger la chair ou de soulever des cailloux pour dénicher des arthropodes et des petits mollusques, notamment sous l'eau, dans les étangs ou sur les berges et les prairies inondées aux alentours. Donc il y a une callosité noire slash bleue, si tu veux rester dans le mâle nuptial, au bout du bec pour l'aider à ouvrir. Ce qui est bien pratique. Ce qui est bien pratique. Mode de reproduction. Ah, enfin, du sexe. Mâle et femelle s'apparient avant la saison de reproduction en hiver, voire dès l'automne. Un lien étroit s'établit rapidement entre les deux partenaires et cet appariement précoce permet au mâle d'optimiser la recherche de nourriture de la femelle pour préparer la nidification. La para nuptiale est très démonstrative et le mâle prend à cette fin, dès l'automne, des couleurs très vives et développe une huppe de couleur bleue. Autre particularité, comme d'autres canards, les Kiruka mâles ont un pénis bien développé qui est exhibé à la femelle pendant la parade. Ouais, ça va, Donc il un fait seul pénis par image. mélicoptère. On peut aussi noter qu'à cette période, le dimorphisme sexuel est très marqué entre la femelle et le mâle en plumage nuptial. Les couples se défont à la fin des saisons de reproduction après une seule couvée. L'année suivante, un nouveau couple se formera, les Kiruka n'étant pas fidèles au-delà de la première couvée. Mode de vie. À partir de l'automne ou de l'hiver, ces canards vivent en couple et semblent développer très peu d'interactions avec leurs autres congénères. Après la saison de reproduction, en milieu d'été, les Kiruka deviennent grégaires et se rassemblent sur de grands plans d'eau où ils se mettront à la recherche d'un nouveau partenaire. Et mine de rien, alors je me suis aussi posé la question, moi, de est-ce que ça existait des canards qui mangent des fruits dans la vraie vie? Si quelqu'un sait, j'avoue, je serais vachement curieuse. J'ai un peu fouillé, mais en fait, la majorité des canards, c'est comme pour le Kiruka, il change d'alimentation au cours de l'année. Il y a une période où il mange des algues, des mollusques, des choses dans l'eau. Et puis, ils peuvent alterner avec des trucs plus insectes et autres petites choses. Des trucs plus carnés, moins carnés selon la saison. Mais des fruits, j'avoue. Pourtant, je me suis posé la question, genre en Amazonie, il doit bien y avoir des coins où il y a plein d'arbres qui perdent leurs fruits qui tombent dans l'eau. Donc, des bestioles qui se battent sur l'eau pourraient les manger. Mais j'ai pas trouvé de canard qui mangeait des fruits. Donc ça m'intrigue grandement. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Mais comme zone bleue? On avait dit, on avait le bec et... alors il y a une. Donc t'as l'espèce de protubérance sur le bec qui est Ouais. bleu et il y a une huppe bleue aussi. Ok. Et apparemment, il y a aussi un miroir. Donc il doit y avoir une tache colorée vive sur l'aile. Ok. Comme la sarcelle d'hiver. Il est dit. Ouais, bah les ailes fermées. Et du coup, le profil d'un éider. Ouais, j'ai fait le profil d'un éder. Attends, je regarde en même temps ce que tu fais, parce que c'est vrai que. Et les éiders, je m'étais dit, ah, bah, je vais fouiller sur l'origine, parce que l'éider le plus courant, c'est l'éider à duvet, parce que bah, on utilise ses plumes pour faire des coussins. Enfin, en tout cas, ça se faisait beaucoup, fut un temps. Et en fait, j'ai pas trouvé grand-chose de plus comme info sur l'éider à duvet. À part que sa population a pas mal diminué et que vu que maintenant on le chasse quand même moins, ça va un peu mieux. Mais ouais, il n'y a pas masse d'infos. Mais je sens bien que voilà, on est encore sur du canard, faut parler de pénis de canard, hein, on est obligé. Obligé. Personne qui a Mais oublié là. après, je me dis que les gens savent forcément parce que l'histoire du canard colvert avec son pénis qui explose quand tu lui appuies sur le bidon, peut-être que les gens ont déjà vu des vidéos sur YouTube. Mais je peux vous raconter quand même des histoires de pénis de canard, hein. On est là pour ça après tout, hein. Mais en vrai, les histoires de pénis de canard, bon déjà. J'aime bien quand on a l'impression au début que ça te fait violence, et puis en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout. Déjà, il y a quand même pas beaucoup, parce que la majorité des oiseaux, rappelons-le, ils ont un cloaque. Donc ils ont une seule ouverture pour tout ce qui est évacuation des déchets, urine, excréments, qui est dans une sorte de compactation en un seul. Enfin, il n'y a pas de distinction aussi marquée que chez les mammifères. Et pour tout ce qui est accouplement, le cloaque, donc, et c'est aussi de là que sortent les œufs. Donc voilà, ça sert à tout. Et il y a quelques exceptions, comme les très gros oiseaux, comme les autruches, qui ont un pénis, et les canards. Et je pense que c'est la grande majorité. Il y en a sans doute d'autres que j'oublie, mais c'est quand même les principaux qui me viennent. Et normalement, l'accouplement est très court, donc comparé de 5 secondes avec un des oiseaux précédents, c'est vrai que c'est souvent ça, et en général, pouf, il y a juste ce qu'on appelle très poétiquement le baiser cloacal, donc les deux coacs qui se touchent, pouf, et puis en gros, le mâle met du sperme sur le cloaque de la femelle et l'affaire est faite. Mais pour les canards, c'est plus compliqué, puisqu'en effet, il y a un pénis,
Et en fait, ce qui est intéressant, outre le fait que c'est cocasse et que les pénis des canards sont rigolos parce que souvent ils sont un peu en tire-bouchon et ils sont souvent de très grande taille par rapport à la taille de l'oiseau, mais ça donne plein de, enfin ça dit plein de choses sur la sélection sexuelle, sur une sorte de course à l'armement entre les femelles et les mâles où on voit qu'ils ont des intérêts très différents parce que la femelle elle a tout intérêt à avoir les meilleurs reproducteurs possibles. Et puis le mâle, lui, veut avoir le plus de cannes possible. Donc leurs intérêts sont pas toujours tout à fait compatibles. Et du coup, voilà, souvent, enfin, vous avez peut-être vu, hein, les canards colverts au printemps, c'est un petit peu boucherie, hein. Souvent, il y a un mâle, enfin non, plein de mâles qui poursuivent une pauvre femelle, qui souvent lui saute dessus à trois ou à quatre, qui manque parfois de la noyer. Grosse ambiance chez les canards. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est du viol, hein, on ne va pas le dire pas autrement, hein, c'est vraiment ça. Mais elles ont quand même quelques alternatives, c'est-à-dire que le vagin de la canne, en fait, pour essayer de résumer ça, en fait, il y a le pénis du mâle qui va dans un sens, et le vagin de la femelle, selon les espèces, ne va pas dans le même sens que le pénis du mâle. Donc, il faut qu'elle soit un peu consentante pour que ça se passe pas trop mal. Et il y a même chez certaines espèces des sortes de labyrinthes dans le vagin de la femelle qui fait qu'il y a des impasses et que si elle s'accouple avec un mâle sous la contrainte et que voilà, elle aurait moyen de évacuer le sperme d'un mâle dont elle ne veut pas. Après, bien sûr, on ne parle pas de mécanismes conscients, hein, ça c'est des choses qui ont été sectionnées avec des dizaines et des dizaines d'années. De comportements différents et je pense pas qu'il y ait un truc conscient quand la femelle s'accouple en disant ah, celui-là il est pas mal, je vais garder le truc. Donc ça se fait bah, sous tout un tas de mécanismes mécaniques, comportementaux ou autres. Et du coup, on s'est rendu compte, pour revenir au pénis de canard, que ceux qui avaient, parce que tous les canards n'ont pas la même taille de pénis, et puis des canards, il y en a des centaines d'espèces différentes, mais que ceux qui avaient les plus longs, eh bien, c'était souvent pas les meilleurs partenaires. C'est ceux qui avaient tendance à violer allègrement. Et alors, je voulais retrouver une anecdote parce que, avec ma collègue, nous avons travaillé sur un livre où elle parle de pénis de canard. Donc, je voulais retrouver le passage pour pas vous dire de bêtises, puisque c'est elle qui l'a écrit. Tac, tac, tac. Tuk, 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 tuk. Donc oui, si le pénis des mâles est long et enroulé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le vagin de ces dames est quant à lui tarabiscoté et enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre, empêchant le pénis de s'enfoncer suffisamment et limitant ainsi la fécondation. Et donc il y a ces fameux cul-de-sac dont je vous ai parlé. Mais pour revenir à notre... Et donc la taille du pénis n'en fait pas les meilleurs amants, puisque les chercheurs ont montré que plus la fréquence d'écopulation forcée était grande, plus le pénis était long. Donc ceux qui ont un très grand pénis sont plutôt tendance violeurs chez les canards. Donc voilà. Et chez le canard colvert, le pénis mesure 13 cm en moyenne pour un corps dont la taille atteint entre 50 et 68 cm. Pour vous donner un ordre de comparaison, chez l'autruche, dont on parlait juste avant, elles ont, les autruches mâles, un pénis de 20 cm pour une taille d'environ 2,80 m. Donc le canard est très bien membré. Et le canard qui a le plus grand pénis par rapport à la taille de son corps, c'est l'Eris mature ornée, qui est un canard qui vit en Amérique du Sud, qui a une tête toute noire, qui n'a rien d'extraordinaire, mais des chercheurs ont trouvé des individus qui avaient un pénis de 42,5 cm de long, ce qui fait à peu près la longueur du corps du canard, parce qu'il fait 40 cm de long. Et ça, c'est la Donc, fête. voilà. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y a un autre truc rigolo avec ce pénis, c'est On n'arrête que jamais. donc, c'est une espèce de long tire-bouchon, mais en fait, au bout du pénis, il y a une sorte d'écouvillon. Alors, j'espère que tout le monde voit à peu près écouvillon. Malheureusement, avec l'actualité sanitaire, les écouvillons, on en a vu passer, mais voilà. Et en fait, on pense que en fait, ce bout de pénis, apparemment, il l'utiliserait pour nettoyer, en gros, le vagin de la canne, pour enlever le sperme d'autres mâles, pour faire place nette. Voilà, pour lui-même, voilà. Et il y a plein d'animaux qui font ça, apparemment, même des insectes, où quand il y a une femelle qui s'accouple avec plusieurs mâles, bah, il y a des mâles qui ont cette stratégie de virer la semence des mâles précédents pour être sûr que ce seront eux les futurs papas. Voilà, je trouve ça fascinant. C'est merveilleux. Ok, Les bon, eh joies de la bien, sélection sexuelle. moi j'ai fini, nous pouvons switcher. J'ai fait mon Kiruka à bec dur.
Oh yeah. Attends, je regarde, je jette un œil. Oh waouh. On voit bien le côté d'air. Splendide. Tête droite. Ah, ça va mieux avec cette brosse-là. Très bien. Eh bien, je te repasse en mode plein écran. Yes, Poum! alors attends, il va falloir que je rebouge. Et... Tac. Ah mon Dieu, Et non, c'était donc. encore moi en théorie. Non, attends, on va switcher là-haut. On va se calmer là. C'était le Véloce aquatique. Alors moi, dans C'est l'ordre, j'avais le ça? renard alpin Ah là, non, après le attends. Velas aquatique, et après, non, bah, si ça te dérange pas, on va passer au... Et je vais revenir dessus après. Après, si tu veux le Créadion vulcain, j'ai fait un dessin. Ah bah go alors, vas-y, vas-y. Mais comme tu le sens, hein. Non, non, vas-y, bah de toute façon, non, c'est bien que t'aies pris de l'avance. Mais je peux en faire un deuxième. Alors attends, parce que du coup j'ai un peu pris de l'avance. Vu qu'il y en avait des trop cool et que j'avais envie de me vider la tête, j'ai fait quelques dessins d'avance cet après-midi. Alors, du coup on reste sur le Créadion vulcain. Yep. Alors. Tuck. Est-ce que tu veux... Alors, du coup ceux-là sont un peu plus travaillés. Je ne sais pas si vous voyez. Ça c'est de l'aquarelle. T'as pas switché la cam, J'ai pas switché ma cam, ben oui, quelle futée cette fille. Ce niveau de perspicacité. Allez, c'est parti! Et ça change, oui. Voilà, alors oh, attends, super. attends, est-ce que. Comme ça, c'est mieux, c'est un peu plus. Voilà. Alors après, je sais pas si tu veux relire Si, toujours les faits. J'arrive plus à parler non plus, moi. Alors. La description, et après, je peux en faire une autre variante, hein. C'est vrai que c'était. Non, mais c'est vrai qu'on est en retard, donc c'est très bien si on ce que t'en es fait en avance. Donc le Créadion vulcain, régime alimentaire, il se... Alors, j'ai pas donné tout son nom, le Philesturnus vulcania ou Kai Totorewa en maori. Régime alimentaire, il se nourrit exclusivement de lave en fusion. Mode de reproduction, il peut se reproduire en toute saison pourvu que sa nourriture soit abondante. Sa parade nuptiale consiste en une succession de cercles et d'acrobaties autour du panache de fumée d'un volcan en éruption. Le mâle saisit ensuite un pyroclaste encore rougeoyant dans son bec et le présente à la femelle. S'ensuit un accouplement si celle-ci est suffisamment séduite par l'offrande. La femelle pond généralement 5 à 6 œufs dans une dépression du sol sur le flanc du volcan. Les œufs sont entièrement noirs et leur coquille est riche en basalte. Le Créadion vulcain ne les couve pas, c'est la chaleur du volcan qui permet le développement de l'embryon. Mode de vie, de par la rareté des éruptions volcaniques, le Kai Totorewa a développé une adaptation tout à fait étonnante. À la fin de la période éruptive, il creuse un terrier généralement sur un sol couvert de cendres volcaniques et s'y installe avant de le refermer. Sa température corporelle chute et ses fonctions biologiques se mettent en pause. Il entre alors dans un état de profonde hibernation pouvant durer de très longues périodes. Les mécanismes qui provoquent son réveil sont encore mal connus, mais les scientifiques pensent qu'ils pourraient être causés par les séismes qui précèdent souvent les éruptions volcaniques. En 2004, à Whakatane, alors que des ouvriers creusaient le sol sur le chantier d'une installation géothermale, un individu a surgi du sol. Les datations radiométriques sur une plume qu'il a laissée ont pu déterminer que sa dernière mue remontait à 70 000 ans et qu'il était donc endormi depuis le Pléistocène. Badass. Et du coup, tu as des trucs à raconter, toi, sur les oiseaux qui... Ouais, en fait, même je pourrais expliquer vite fait comment je l'ai dessiné. Bah, À la base, je m'étais dit carrément, une vas-y. sorte de phénix ultra classe, ça serait bien. Et ensuite, je me suis dit, ouais, mais si je prends des bouts, parce que ce qui est fou, aussi improbable que ça puisse paraître, des éléments qu'on retrouve chez des vrais oiseaux, qu'il y a dans la description du vulcain, il y en a. Par exemple, des oiseaux qui ne couvent pas et qui vont mettre leurs œufs dans des roches volcaniques ou sous des espèces de dômes de feuilles qui vont être chauffés juste par la dégradation naturelle des plantes, ça existe. C'est des oiseaux de la famille des mégapodes qui sont. Alors, il y en a en Australie, il y en a dans les îles, notamment les îles Salomon, dans certaines îles avec des fortes activités volcaniques, justement. C'est des oiseaux assez choupis. Alors, il y en a un qui n'est pas très sexy, c'est le Talégal de Latam. Moi, j'en ai vu en Australie. Ça ressemble globalement à un dindon. Hein, c'est pas... voilà. Mais ils ont des espèces de caroncules jaunes qui pendouillent sous le cou. Et on les voit genre dans les jardins publics, quoi. Et en fait, ils passent leur vie à gratter le sol et à accumuler des feuilles pour faire un dôme qui fait 2 mètres de haut. Enfin, j'exagère, mais un gros dôme de feuilles. Et ils foutent leurs œufs en dessous. Et ils ne s'occupent absolument pas des petits. C'est les oiseaux dont les petits sortent les plus développés parce que les parents ne s'occupent jamais d'eux. Ils sortent, ils peuvent tout faire, les pieuvres, quoi. Et je trouve ça fou, déjà, de se dire waouh, ça existe pour de vrai.
Et donc du coup, quand je l'ai dessiné, je me suis dit, je vais essayer de faire un petit côté un peu mégapode mignon, même si je lui ai fait des grosses pattes costauds, parce que je me dis, pour marcher quand même sur des sols volcaniques, bah, faut des grosses patounes. Et je lui ai fait un gros bec, une sorte de rapace perroquet, parce que je me dis que pour manger de la lave, il faut quand même un bec un petit peu costaud. Voilà, et je l'ai fait en orange, noir, rouge, parce que je me suis dit quand même, couleur lave, c'est un peu cool. Et dans les autres anecdotes, donc à la fin, on dit que peut-être il hiberne. Et en fait, on peut se dire comme ça, mais les oiseaux, ça hiberne pas. Et en fait, si, il y a un oiseau qui hiberne, qui est l'engoulevent de Nuthall. Donc l'engoulevent, c'est dur à décrire, c'est une espèce de bestiole couleur feuille morte, qui a une bouche comme un meupette un peu. En Il y anglais, ils a appellent des ça les familles. frogmouths, je crois, c'est cela, non? Les bouches de Alors, grenouille? Mais c'est c'est pas le ça, même. c'est les. Ah oui, non, c'est pas la même C'est les espèce. pots d'arge. Les pots d'arge. Mais Oui. les pots d'arge, ce sont des engoulevents géants. Donc, ça se ressemble beaucoup. Ils ont cette espèce, oui, de bouche de grenouille. C'est vrai que les Anglais savent toujours mettre les mots sur sur ce qu'il faut. Et l'engoulevent de Nuthall, c'est un engoulevent américain. Et en fait, c'est une sorte de. Il fait la taille d'une grosse hirondelle, quoi. Mais on le trouve en Arizona et dans le désert du Colorado. Et en fait, bah, quand il fait froid, en fait, il se fout dans une petite grotte au bas des cactus, sous les cailloux, et il tombe en torpeur. Et je trouve ça assez fou. Et il y a des études récentes qui montrent qu'apparemment, bah, ils mettent un peu de temps à retrouver leur activité, hein, comme les marmottes, comme les animaux qui se réveillent d'une vraie hibernation. Il leur faut genre 3 jours pour retrouver leur activité principale. Et apparemment, ils choisissent leur lieu d'hibernation en fonction de l'orientation du soleil. Comme ça les réchauffe de manière plus efficace quand le soleil revient. Ce qui est quand même plutôt cool. Voilà, je trouve ça chouette. Bon, il reste la lave, qui est quand même un côté badass qu'on ne peut pas imiter, mais bon, il y a quand même des bonnes bases dans la nature et c'est ça qui est merveilleux. Bah, ça renvoie au truc que tout le monde a vu passer, des oiseaux qui transportent des branchettes avec du feu dessus pour enflammer d'autres endroits là. Yes. C'est grave cool aussi ça. Moi j'aimerais bien qu'il y ait plein de gens qui s'y intéressent. Bon déjà je suis blasée parce qu'apparemment quand même les aborigènes ça fait longtemps qu'ils le voient et qu'ils le disent. Et puis c'est juste maintenant qu'il y a des gars qui disent Ah ouais mais peut-être qu'ils disent pas des conneries, on va peut-être aller voir ce qu'ils racontent. Bah oui gars en fait, peut-être que c'est bien de demander aux gens locaux ce qu'ils ont vu. Mais c'est quand même une chouette découverte. C'est enfin, que potentiellement il y a des oiseaux qui soient capables d'utiliser le feu, c'est quand même assez dingo. Ouais, carrément. Du coup, moi, ce que j'ai fait pendant, si tu veux continuer à expliquer d'autres choses, c'est que moi, j'ai commencé à faire mon vélo aquatique pour gagner du Yes. temps. Est-ce que tu veux que je lise la description du vélo Bah, aquatique? pourquoi pas, comme ça, je passe sur moi. Alors, le vélo aquatique. Alors, attends, clouc. Il est là. De Louis Chan. Enfin, Chan, je je veux pas pense, écorcher ouais. le nom. Le vélo aquatique. J'avais aussi fait un crowbar, je le montrerai après. Attends, du coup, je vais remettre ma tronche. Clac. Où est ma webcam? Webcam. Yeah. Oh yeah. Le vélo aquatique. Du coup, t'es paré? J'entame Je suis la dessus. description. Donc, le vélo aquatique. Moi, clairement, il est dans mon top 5. Hein, je kiffe. Alors, régime alimentaire. De la naissance à l'âge adulte, le vélo aquatique vit exclusivement sous l'eau où il respire et se nourrit à 99% de phytoplancton et d'algues en tout genre. Les individus grandissent dans le bassin méditerranéen, grandissant pardon, dans le bassin méditerranéen, raffolent en particulier des herbiers de Posidonie. Le dernier pourcent est fait de microplastiques que les jeunes vélos arrivent étonnamment bien à métaboliser. Eh, pratique. Une fois adulte, le vélo aquatique fait ses premières grandes virées en volant à l'air libre et change totalement de régime pour se nourrir principalement d'insectes relous, moustiques, mouches et autres diptères en tout genre. Mode de reproduction. La parade amoureuse du vélo est unique. Les jeunes mâles nagent vers la surface et la percent à vive allure en produisant des cris stridents mais mélodieux, puis replongent aussi sec en direction des abysses. Les femelles, quant à elles, exécutent une danse vrillée et encerclent à une trentaine de mètres à la surface. Lorsque l'une d'elles a repéré un partenaire potentiel, elle rabat les ailes et fonce vers la surface en calculant bien son coup pour arriver de façon synchronisée avec la sortie de l'eau de sa cible. S'ensuit une descente en double hélice des deux oiseaux à plus d'une centaine de mètres de profondeur. Les scientifiques ne savent pas encore jusqu'où ils vont ni ce qu'ils y fabriquent, mais on a bien une idée sur la question.
Le couple nouvellement formé restera soudé pour des années. La femelle pondra une douzaine de petits œufs oblongs et transparents dans l'eau, en prenant soin de les cacher parmi des algues au ras du sable. Les parents iront chaque jour s'assurer du bon développement des embryons pendant les 6 semaines que dure l'incubation, puis laisseront les jeunes oisillons se débrouiller comme des grands après l'éclosion pour voler vers d'autres horizons de leur côté. Mode de vie. Le Velos aquatique est l'unique espèce d'oiseau connu ayant développé un système de respiration très proche des branchies que l'on retrouve chez les téléostéens et les élasmobranches. L'appareil respiratoire se transforme lors du passage à l'âge adulte et devient fonctionnel à l'air libre, ce qui pousse les jeunes Velos à changer de milieu et à utiliser leurs ailes non plus pour nager, mais pour voler. La transformation sera définitive plusieurs mois plus tard, mais les Velos resteront de très bons nageurs et apnéistes. Les jeunes Velos vivent en bancs de plusieurs dizaines d'individus, puis en groupes plus petits et variables une fois le passage à l'air libre effectué. Les Velos aquatiques tirent leur nom de leur impressionnante vitesse sous l'eau, près de 70 km/h une fois l'individu devenu grand. Ils volent également assez vite, mais rarement haut. Les plus gros individus mesurent près de 50 cm de long pour un poids de 4 kg. Exceptionnellement lourd pour un oiseau de cette 4 taille. kilos, ça commence à être pas mal, ouais. Je crois que les plus gros oiseaux volants, ils sont à 7-8 kilos, c'est les outardes, là, africaines. J'avais lu ça il y a longtemps. Mais oui, du coup, 4 kilos, c'est des beaux bébés. J'avais mis des petites notes, je Du coup, crois. je me suis un peu inspiré du Martin Pêcheur, c'est ce qu'elle m'évoquait. Avec un peu une espèce de croisement. Ça me fait penser, c'est marrant parce qu'il fait un rapport avec les téléostes et les élasmobranches, qui finalement, au niveau du. Si on fait vraiment une moyenne, donc pour les gens qui connaissent pas trop la différence entre les téléostes et les élasmobranches, en gros, chez les poissons, les téléostes, c'est les poissons à nageoires charnues, et les élasmobranches, c'est les poissons à nageoires rayonnantes. C'est les. Je dis de la merde, excusez-moi. Les téléostes, c'est les poissons osseux. Et les élasmobranches, c'est les poissons cartilagineux. Donc en gros, les élasmobranches, c'est les requins, les raies, les chimères. Et les téléostes, c'est à peu près tous les autres poissons, globalement. Et en fait, au niveau système respiratoire, bah, c'est à peu près tout le monde a des branchies. Après, chez les téléostéens, on a des grosses différences parce qu'on va avoir typiquement le dipneuste. Et pour le coup, l'oiseau dont on parle là va un peu plus ressembler à un dipneuste, puisque le dipneuste est effectivement un de nos ancêtres communs, un de nos ancêtres communs les plus proches. C'est-à-dire qu'on a affaire à un animal qui a une capacité de respirer à l'air libre et sous l'eau en même temps. Qui a vraiment poumon fonctionnel, branchie, la totale, il me semble, si je dis pas de conneries. Tac, donc ça du coup, vu que les. Donc en fait, ces ailes, les ailes que je suis en train de faire là, ont la particularité, vu que là on est sur un juvénile qui est pas très loin de son passage à l'âge adulte, mais qui n'y est pas encore. En fait, ses ailes n'ont pas développé de plumes réelles. Il a à l'heure actuelle en fait des espèces de membranes. C'est des ailes qui sont des membranes de façon à pouvoir beaucoup plus facilement nager. Donc on a un début de plume qui va commencer à se former. Mais à l'heure actuelle, on est vraiment à peine sur de la protoplume. Tout est relié par une espèce de fine couche, un peu comme le mucus qu'on a chez les poissons, qui recouvre les poissons. On est vraiment sur un mi-poisson, mi-poisson, mi-oiseau. Et je te laisse continuer, Agatha. Mais c'est tout à fait. Non, mais sur les poissons, clairement, tu es bien plus expert que moi. Moi, je m'étais dit, c'est l'occasion. Bon, déjà, des oiseaux aquatiques super à l'aise. Moi, quand j'ai vu le Velos, j'ai tout de suite imaginé un espèce de mélange de plongeon et de grèbe, qui sont des animaux merveilleux. Moi, je les trouve super élégants. Ils sont vraiment fuselés. On voit qu'ils sont. Ils sont faits pour aller vite sous l'eau et il n'y a rien qui dépasse, mais même les pingouins, hein, je dis bien pingouins exprès, pas manchots, mais les petits pingouins, les guillemots, les macareux, quand on les voit sous l'eau, on voit que c'est vraiment ultra fuselé quoi, pour foncer sous l'eau. Et ouais, moi je montrerai le mien plus tard. Moi, il y a plus du plongeon dans le mien, mais bon, c'est la même idée. Il y a un grand bec, un long cou, et puis il n'y a pas une plume qui dépasse. D'ailleurs, est-ce que le Velos a des plumes? C'est pas précisé. Bon, il vole, mais ça se trouve, on peut penser à des sortes d'écailles modifiées après tout, pourquoi pas, hein? Moi, je Les le plumes, vois apparemment, ce pas. seraient des écailles modifiées, donc bon. Moi, je le vois pas avec des plumes à l'âge en juvénile, en tout cas. Bah peut-être, moi j'imagine plus un revêtement comme les ailes des manchots, justement, tu vois, Ouais. un truc qui dépasse pas du tout.
Mais bon. Mais sinon, pour ce qui est des animaux qui changent de milieu de vie, il y en a qui existent. Bon, pas chez les oiseaux à ma connaissance, mais des métamorphoses qui sont comme ça incroyables avec des animaux qui changent de milieu de vie, ça existe, et même des animaux qui sont pas si exotiques que ça. Moi, le premier exemple qui m'est venu, c'est la libellule. Les libellules, c'est dingue parce que elles naissent dans l'eau. La larve, je crois que le stade larvaire, bon, ça dépend des espèces, mais il dure assez longtemps. Et les larves de libellules, c'est les grands carnassiers, les grands carnivores du plan d'eau, quoi. Elles ont une espèce de masque, comme dans Alien, un peu, qu'elles peuvent projeter pour attraper même des petits poissons, hein. C'est des trucs de fou. Et donc, elles sont entièrement sous l'eau. Donc, je ne sais pas bien comment ça fonctionne, le système respiratoire, mais c'est un truc d'insecte aquatique. Donc, elles n'ont pas besoin d'aller à la surface pour respirer. Et puis, après plusieurs mues, souvent 10, 15 mues, il me semble, et ben, bon matin, elles sortent. Et pouf, elle mue, elle sort de sa dernière peau, elle a des ailes, et c'est une libellule qui respire et qui vole. Et je trouve ça incroyable, parce qu'on passe d'un animal carnassier qui est sous l'eau, avec cette espèce de masque qu'elles peuvent projeter, qu'elles n'ont plus en tant que libellule, à ma connaissance, elles ont des mandibules, mais elles ne peuvent pas projeter de la même façon, qui vole et qui vit dans le milieu aérien. Enfin, c'est fou, quoi. Enfin, on se dit vraiment que au moment de la transformation, en gros, on a fondu tout ce qu'il y avait dans l'animal et on a refait un nouveau avec les éléments qu'on avait, façon Lego, quoi. Et tu dis, waouh. Alors, bien sûr. Je sais plus sur quelle Excuse-moi, espèce vas-y. c'était. Pardon, parce que je t'ai coupé, vas-y, finis. Non, 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 c'est tout ce que je disais. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Je sais plus sur quelle espèce c'était, mais ils avaient montré que tu avais comme ça une espèce qui avait un stade de mue, je crois que c'était un papillon. Et en fait, et c'est pareil, au milieu du stade, c'était genre ça devenait liquide le bestiau, quoi. Et en fait, le papillon avait des souvenirs de ce que la chenille avait appris. Waouh. Et, ah putain, quoi? Comment c'est possible? Ah non, mais c'est pour le coup, c'est ce genre de transformation. Moi, j'avoue, je suis. Et apparemment, enfin, il y a un vrai nom qui existe pour un animal qui change de milieu. Ce sont, alors, je l'ai noté dans mes petites notes. Donc, la libellule, c'est un insecte hétérométabole, c'est-à-dire qu'il n'a pas de stade nymphe immobile, donc pas de chrysalide. Il passe directement du stade où il est actif sous l'eau à un stade où il devient libellule. Il faut juste qu'il sèche au moment où il sort de sa dernière mue. Et on dit qu'il est hémimétabole, c'est-à-dire que la larve et l'adulte évoluent dans des milieux différents, donc l'air et l'eau. Donc voilà, c'est assez fou. Et sinon, il y a un autre animal comme ça qui a une métamorphose assez brutale et qui n'est pas non plus très exotique. On le trouve dans nos forêts, c'est la salamandre. La salamandre tachetée toute noire et jaune. Alors moi, pareil, j'ai découvert ça sur le tard. Donc c'est des amphibiens qui vivent dans les milieux un peu sous bois, etc. Et en fait, elles se rendent dans les étangs et les mares au printemps pour s'accoupler. Donc là, on se dit logique, quoi. C'est comme les grenouilles et les crapauds, elles déposent leurs œufs, ok. Les œufs éclosent, ça fait comme on va dire des têtards pour faire grossir, donc les larves restent dans l'eau. Sauf qu'à un moment donné, la larve, quand elle devient plus grande, elle sort à la surface et elle perd tout son fonctionnement. Donc là, on se dit, ouais, bah, c'est comme les grenouilles, ok, c'est pas original. Mais sauf que la salamandre adulte, elle sait pas nager. Et là, tu te dis, what? C'est-à-dire que le bébé salamandre vit dans l'eau, il a des simili branchies. Bon, c'est pas tout à fait des branchies, hein, c'est pas comme des poissons, mais elle sort. Et c'est-à-dire qu'il y a même des gens au début, vu qu'ils les voyaient s'accoupler dans les mares, ils les gardaient en captivité, genre dans des plans d'eau. Bah, elles Ouais. se noient, les salamandres. Quoi? Et tu te dis, mais pourquoi? Et ça veut dire que quand elles vont s'accoupler et qu'elles vont pondre, moi je me dis tout le temps, mais la femelle qui pond et qui glisse et qui tombe dans l'eau, mais elle risque de mourir. Et voilà, voilà, moi j'ai découvert ça sur le tard et je me dis, mais c'est quand même pas très bien foutu parce qu'elles vont quand même auprès de l'eau pour s'accoupler, mais elles savent plus nager. C'est bon, voilà, les salamandres. Mais c'est très très mignon, les salamandres. Et voilà, c'est des animaux. On pensait qu'elles se nourrissaient du feu et qu'elles l'éteignaient. C'était la devise qui a été reprise par François Ier, qui l'avait pris comme symbole et tout. Donc c'est une bestiole en plus chargée en mythologie. Mais en final, elles sont toutes petites, toutes mignonnes et il faut pas leur marcher dessus. Il y a plein de gens qui en ont peur aussi. Ça, j'ai halluciné. Il y a plein encore de croyances sur les salamandres parce que voilà, elles peuvent sécréter un truc au niveau de la peau bah, pour pas se faire embêter par les prédateurs. Mais il y a encore des gens qui ont des croyances sur les salamandres aujourd'hui, en 2021. J'étais là, mais non, en fait, juste tu la laisses tranquille dans son sous-bois et ça va bien se passer. Ouais. Mais voilà, des salamandres. Mais en tout cas, elles changent de milieu de vie comme notre véloce et c'est fou. Ça existe en Génial. vrai. Nice. Ok, bon, bah moi je...
Je Tu termine t'en sors? mon vélos, ouais, je termine tranquillement mon Waouh, mais t'as vélos. fait une pause épique sous l'eau avec les bulles et tout. Ouais, j'ai pas fini, mais oui. Bon, ouais. On va dire que c'est mon vélos. Hop. Bah, si tu veux le temps de finir, je peux montrer vite fait celui que j'avais fait, même s'il est très dégueu, parce que je me suis rendu compte que tous mes feutres bleus, en fait, étaient morts. Donc j'ai barbouillé avec de l'eau par-dessus. Attends, Je te remets en je vais premier montrer. plan si tu veux, vas-y. C'est pas obligé, hein, ça peut être en. Ah, j'ai coupé ma vidéo, hop. Donc, voilà, j'ai fait un vélos. En gros, c'est un plongeon avec des plumes turquoise. Voilà. Grosse originalité. Et voilà. Et mes feutres étaient dégueux, donc j'ai mouillé ma feuille. C'est pour ça qu'elle est toute gondolée. On dirait que j'ai sorti de la bouche d'un chien baveux. Mais voilà. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, l'aquarelle, c'est mieux. Ça prend 2 fois plus de temps, mais on fait des trucs plus précis. Voilà. J'essaye un truc. Hop. J'arrive. Hop. Clac, faisons ça. Non. Pardon, j'ai un souci de calque. Oh non. Hop là. Voilà. Tac, on va dire que. Voilà, c'est un effet bien sous-marin. Je suis là. Hop. Tac. Donc voilà, ce sera mon vélos qui méritera peut-être d'avoir quelques points d'éclaircie ça et là. Je l'ai un peu foncé pour donner un meilleur effet sous l'eau, mais du coup ça mériterait d'avoir un peu plus de bulles, genre ici, là, 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 etc. etc. Attends, je sais pas si moi je suis en retard sur le live, mais moi je le vois pas ton dessin sur Là, il y a le ses live. branchies. Ah bon? Normalement, il devrait y être. Ah, Mais c'est il peut-être y a moi probablement un qui petit galère. décalage, hein, avec le live. Ouais. Parce que comme nous, on est sur Zoom, tu es en direct. Ah yes. Voilà, hop, Gros clac, sabot. clac, clac. Hop, on finit un peu. Tuc, tuc, Ah tuc. yes, ça y est. Donc là, on a les branchies ici. Tac, ça c'est ses branchies. Et donc il a des branchies et des poumons. Donc là, il est à la phase de transition entre son stade juvénile et son stade adulte. Voilà, Très stylé. mon vélos. Là, petit côté Dumbo avec ses grandes oreilles. Ok, très bien. Donc le Petit vélo c'est colis. fait, le renard donc maintenant c'est le burinidé colo. Burinidé Kolo. Alors attends, je regarde, je me demande si j'ai pas fait aussi un dessin de celui-là. Attends. J'avais vraiment besoin de peindre cet après-midi, du coup. Voilà, et comme il y avait plein de bons sujets, alors. Merci pour le vélo. J'ai un dessin du Burinidé Kourou. Allez. Je remets la caméra dessus. Clouc. Et voilà. Son histoire. Le Borinidé Koro, Borinidé d'Ealbata, ainsi nommé en raison de son étonnant plumage imitant la fougère argentée, Ciathea d'Ealbata, où il construit ses nids. Cet oiseau limicole et ovipare aux longues pattes et aux longues ailes possède un bec grand et épais lui permettant de chasser les insectes, notamment les ouettas, qui est son mets de prédilection. Le Burinidé Koro est un oiseau semi-nocturne vivant dans de petites communautés de 4 à 6 individus vivant dans un nid commun. Ces oiseaux sont monogames et restent souvent avec le même partenaire toute leur existence, partageant nourriture et habitat avec un à deux autres couples. Il semblerait que ces colocations tendent à durer dans le temps, au point que lors du décès d'un membre d'un couple, les autres individus du nid prennent soin du veuf de la veuve, lui apportant à manger pendant des périodes pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines. Les oiseaux célibataires tissent au tout début du printemps de grands nids communs, ce qui semblerait être un entraînement à la construction de leur futur habitat avec leur partenaire de vie. Uniquement lors des 3 nuits de pleine lune de printemps, les mâles produisent ensemble une danse mettant en valeur l'argenté du dessus de leurs plumes. Les femelles, quant à elles, volent au-dessus de cet étrange balai et se posent près du partenaire choisi. Les deux oiseaux dansent ensemble une chorégraphie complexe. Le couple se forme alors, sinon la femelle reprend son vol à la recherche d'un autre partenaire. On ignore encore si la construction du nid des célibataires crée des liens particuliers entre certains individus. On observe toutefois que les oiseaux qui coopèrent le plus se retrouvent souvent ensemble dans un nid à l'issue de la période de reproduction.
Les deux à trois couples construisent alors leur habitat afin que les femelles puissent pondre leurs œufs qui seront gardés à tour de rôle jusqu'à l'éclosion et jusqu'à la maturité des petits qui quitteront le nid parental au début du printemps suivant. Les oiseaux célibataires à l'issue du printemps resteront quant à eux ensemble dans le nid qu'ils ont construit et qui sera détruit pour réutiliser les matériaux au cycle suivant. Et donc voici le beau gosse dessiné par Agatha. Il est Du vachement coup, j'ai un réussi. peu triché parce que il est décrit comme un limicole. J'avoue, les limicoles, pareil, hein, c'est comme les canards, j'y connais pas grand-chose. Enfin, deux, trois tourne-pierres à collier, des bécassos, des chevaliers, des trucs comme ça. Mais j'en reconnais pas beaucoup et voilà. Donc, en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'aimerais bien genre dessiner un héron biauro parce que je trouve ça super cool, Ah les hérons oui, biauro, ils il sont a choupis. Donc, j'ai fait un héron biauro couleur fougère avec l'air. des petites plumes là dans le vent. Et puis, j'ai mis des petites fougères pour dire, ouais, regardez, il y a des petits motifs fougères sur ses ailes, comme ça, il se confond dans son environnement. Voilà. Mais il a des grandes pattes, mais ça tenait pas dans ma petite feuille, donc il faut les imaginer en dessous. Voilà. Voilà. Mais c'est assez rigolo le côté animaux collectifs. En fait, je pense que dans ta communauté, il y a plein de gens qui la jouent collectif choupi, et c'est bien, parce qu'il y a des oiseaux qui existent qui font ça, et c'est pas si répandu des élevages communautaires, mais c'est toujours cool d'imaginer ça. Et voilà, il y a pas mal de bestioles. Il y en a un notamment dont le nom m'échappe, qui est une. Enfin, dans les corvidés, bien sûr, Bah, il les y a corbeaux, même dans les corbeaux. la pie Enfin. azurée, tu sais, qui fait des. Où il y a des grands groupes familiaux qui s'occupent de tous les petits. Et en plus, elles sont très très mignonnes, les pies azurées, elles sont très très belles. Ça, c'est pie bleue en français, c'est Azurean Magpie en anglais. Et elles sont très très choupies. Et en plus, elles restent longtemps ensemble, elles s'entraident et tout. Mais il y a pas mal d'oiseaux qui font ça, où il y a plein de couples qui posent leurs œufs au même endroit. Et je trouve ça cool. C'est des choses qu'on étudie et qu'on ne connaît pas depuis très longtemps. Donc, il y a matière. Et voilà. Bah en tout cas, ça a beaucoup plu à Joy, qui est l'autrice de cet oiseau. Oh. Parce qu'elle a mis « Je suis amoureuse, je le veux Je ferai des beaux scans, promis, ». pour reposter les images en mieux. Parce que c'est vrai que là, avec ma petite webcam à 1 mètre de distance du dessin, c'est peut-être pas le mieux, mais Bah écoute, en tout on cas, mettra des photos, des images en mieux, en plus grand. ça a beaucoup de succès. Alors après, on avait le Chiroptera de Morgane, tu l'as fait en avance ou pas celui-ci? Alors, j'ai fait un petit dessin et je m'étais dit, si on a du temps, j'en ferai un plus grand. Alors, attends, le Eh Chiroptera. bien, nous n'avons pas Parce vraiment beaucoup de que temps. c'est un oiseau qui a un dimorphisme assez cool. Le mâle et la femelle n'ont pas les mêmes couleurs. Il y a une femelle qui est bleu-noir et le mâle qui est orange. Et il me semble que j'ai fait une femelle. Alors, attends. Je remets ma webcam puisque j'ai changé. Alors, attends. Ah, j'ai perdu mes onglets. C'est compliqué. Alors pendant ce temps-là, je vais Hop. lire le Chiroptera, comme ça les gens pourront se préparer. Yes. Et Le voilà. Chiroptera est un oiseau nocturne de Nouvelle-Zélande qui se nourrit exclusivement de feuilles de fougères. Haut sur pattes, 80 cm, mais très fin, avec une envergure de 2,60 m, il descend des montagnes enneigées où il niche à la tombée de la nuit pour brouter des fougères dans le sous-bois de façon furtive. Les trois plumes sur sa tête, semblables à des yeux, reflètent la moindre lumière, donnant une illusion de cinq yeux rouges qui fixent l'obscurité. Il délimite son territoire et attire les femelles en poussant de longues plaintes ondulantes. Quand les femelles semblent séduites, elles volent en cercle dans les courants ascendants et le mâle la rejoint. Il virevolte dans le ciel, faisant des chutes et des figures spectaculaires. Les couleurs rouge-orangé du mâle et bleu-noir de la femelle forment comme un feu dans le ciel. Si la femelle est définitivement séduite, ils monteront haut dans le ciel et s'accoupleront en plein vol. L'élevage des petits se fait à deux dans une faille de montagne à des températures froides inédites chez les oiseaux. Il y aura deux œufs et une fois les petits émancipés à 2 mois, ils partiront former leur propre territoire. Le mâle et la femelle se séparent et ne se reverront qu'à la prochaine saison des amours qui aura lieu en novembre. J'ai eu quelques bugs de webcam. Je ne sais pas si c'est net ou si la mise au point s'est pas fait C'est un dessus. tout petit peu flou, mais on voit bien. On voit bien. Je vais essayer de le remonter un peu. Du coup, moi, j'avais fait l'option de représenter une femelle. Parce que là aussi, il y a des études qui montrent que dans les collections de zoologie, eh bien, comme souvent, ce sont les mâles les plus Aussi. colorés. On a des biais dans les collections, comme quoi on a beaucoup plus de mâles que de femelles. Et ce n'est pas juste, hein, ça suffit. Donc, j'ai fait une femelle avec ses trois taches rouges un peu comme un paon. Et pour l'oiseau, vu que c'est un oiseau qui mange des feuilles, et pareil, je me suis dit, waouh, à quoi ça ressemble un bec d'un oiseau qui mange des feuilles? En fait, le seul oiseau que je connais qui mange beaucoup, qui broute, c'est l'osine. L'osine, je sais pas comment on est censé le.
le prononcé, qui est un oiseau ultra chelou d'Amérique du Sud, qui a des petites griffes au bout des ailes, qui sont un caractère qui lui reste de ses lointains ancêtres type Archéoptérix, qui en avait aussi, et qui a cette espèce de bec comme ça, un peu court, un peu pointu. Donc en gros, j'ai fait un wosine bleu-noir avec des plumes en forme d'yeux sur au-dessus de la tête. Super. Voilà. Il y a Et de la même, pareil, demande. en... Ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, je disais, le mâle est censé être pareil, mais en orange. Voilà. Donc la parade est censée être très jolie, hein. Moi, j'imagine une scène épique avec le mâle et la femelle et tout, qui tournent l'un autour de l'autre. Ça doit être plutôt cool. Donc quand j'aurai plus de temps, faire la parade du Chiroptera, ça me tente bien. En tout cas, tu as Morgane qui l'a fait, qui le trouve absolument superbe. Joy qui veut absolument Waouh! avoir son dessin en vrai. Morgane qui Waouh! trouve qu'elle est géniale, encore mieux que ce qu'elle imaginait. Eh bien, Oh, pas trop gentil. je vous renvoie harceler Agatha sur Facebook, Twitter. N'hésitez pas, vous pouvez lui pourrir son existence de manière totale et absolue. Surtout, n'ayez aucune pitié pour sa vie privée ou quoi que ce soit. Aller sonner chez elle, Oui. frapper à sa porte. Y a vraiment, vous pouvez la suivre dans les parkings souterrains. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci. le truc horrible, c'est le vieux guet-apens. La communauté ultra toxique. Alors, donc nous en sommes à la moitié. J'ai envie de pleurer là. Très bien. Alors, puis en plus, moi, j'ai pas du tout préparé en avance, puisque je ne bossais pas dessus. Nous avions ensuite celui d'Anaïs, qui était l'arachnoa, l'oiseau prédateur carnivore qui chasse en groupe. Donc, c'est l'oiseau foreur, celui-là, c'est là où il y a les petits foreurs, je crois. C'est surtout l'oiseau carnivore Ah non, c'est pas qui celui-là, reste en groupe ouais. Ok. et qui fait référence à la petite vidéo dont je t'avais parlé lors de nos tests techniques. Yep, bah du coup tu peux la montrer sans aucun problème. Ça ne... bah t'es toujours en plein écran, puis je crois que je me suis pas mis en plein écran, je me suis pas mis sur l'écran donc tu peux... Ah oui mais non du coup j'ai pas accès à ton écran. Mais Tout à fait. Mais du coup, tu l'avais pas mis sur YouTube? si mais je l'avais mis en non répertorié. Après, c'est pas super ouf, mais c'est juste que déjà, je peux commencer par lire la description de Oui. l'arachnoa. Faisons ça. Voilà, faisons ça. Faisons dans l'ordre. Il n'est que 22h47. Rendez-vous à 3h du matin. Il Alors, faudrait qu'on arrive vers 23h, 23h15 en revanche. Au pire, après, on les ira, on fera des dessins rapides parce que. l'arachnoa, c'est un oiseau prédateur carnivore qui chasse en groupe. Attends, je ne sais même plus ce que j'ai laissé comme webcam, moi. J'ai laissé l'autre oiseau. Attends, si tu veux Je vais. mettre ton dessin, je vais peut-être Ah remettre la oui, je vais tête remettre mon et... dessin, je suis pas Hein? mal. Voilà. Donc l'arachnoa, pardon, hein, je suis un peu décousue. Pour se reproduire, les femelles polyandres creusent de profondes nids sous la terre et pondent ces gros œufs avant de les recouvrir. Le mâle vient déféquer régulièrement dessus pour les tenir au chaud. Le diamant sur le bec des gris poussins les aide à creuser pour sortir sous le regard attentionné des papas qui attends qui finissent par rejoindre qui finissent pardon par rejoindre la matriarche du groupe. L'espèce dans les montagnes néo-zélandaises est couverte d'un gros duvet pour résister au froid. J'imagine déjà la boule de duvet. Tu peux faire un bébé une boule de duvet. Le groupe dirigé par une femelle s'occupe collectivement des petits. Les jeunes mâles et femelles finissent par se disperser pour former de nouveaux groupes. Donc un oiseau prédateur carnivore qui chasse en groupe. Moi tout de suite, j'ai lu ça, je me suis dit, oh my god. Mais c'est... Alors, j'ai un petit flash qui me dit, votre connexion Internet est instable. Est-ce que je suis toujours là? Ouais, moi j'ai pas de soucis avec toi. Hein. Tu m'entends toujours? Très Bon, bah bien, ouais. écoute, super. Et du coup, tout ça me faisait penser à un oiseau qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, existe pour de vrai, qui est la buse de Harris. Dans la buse de Harris, je l'ai découvert quand j'ai... Enfin non, ça fait plusieurs années que je connais son existence, mais je me suis un peu documentée dessus quand j'écrivais mon bouquin sur les sociétés animales, parce que j'ai absolument tenu à la mettre dedans, parce que cet animal est extraordinaire, super badass. Les buses de Harris... Physiquement, elles n'ont rien d'extraordinaire, hein. Elles ressemblent beaucoup à nos buses communes qu'on a chez nous, même si elles sont haut perchées, elles sont américaines et elles sont haut sur pattes. Et elles vivent dans un endroit où il fait 45 degrés,
donc un milieu aride, qui est le désert de l'Arizona. Et en fait, elle s'installe souvent en haut des grands cactus saguaro, qui sont des cactus qui culminent à 15 mètres de haut. Donc déjà, c'est cool, elle vit dans des cactus, c'est quand même plutôt pas mal. Et en fait, les buses de Harris, on s'est rendu compte qu'elles chassaient en groupe. On les compare à des loups. Il y a même d'ailleurs un docu qui est extrêmement rétro, extrêmement années 90, avec des grosses moustaches et des chemises à carreaux, qui s'appelle Wolves of the Air, un truc comme ça, les loups déserts, qui est gratos, et sur YouTube, et que je vous invite très fortement à aller voir parce qu'il est merveilleux. Alors ça en anglais, je suis navrée, et je crois pas qu'il soit sous-titré, mais il est extraordinaire, et c'est l'un des rares docus qu'il y a entièrement sur la buse de Harris. Et en fait, il y a un petit monsieur qui a fait sa thèse dessus, et moi, donc j'ai lu sa thèse, et j'ai lu ses articles, et je suis sur le cul, parce que ça date des années 94-95. Et donc ce fonctionnement qui est extraordinaire, il y a eu quand même un papier dans Science sur les buses de Harris, c'est le fait, parce que je raconte pas mon histoire jusqu'au bout, donc elle chasse en groupe, donc ça veut dire que souvent il y a un couple principal et un ou deux individus satellites. Alors il y a des fois où c'est un couple monogame exclusif, donc le mâle et la femelle ne font que du sexe entre eux et les autres sont là pour assister le couple principal à élever les petits. Mais des fois il y a de la polygamie, c'est-à-dire que la femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles du groupe, ça dépend. Et du coup, elles chassent ensemble, mais façon loup, quoi. Genre, il y a un lièvre, elles vont se mettre à plusieurs à le rabattre en volant, en guettant de ces grands cactus saguaro. Elles plongent comme ça sur leur proie. Et puis, des fois, elles finissent le travail à pied. Donc, il y a des images plus récentes de la BBC qui sont très bien filmées parce que c'est la BBC, et où on voit vraiment en façon raptor du Jurassic Park, quoi. Elles marchent au sol comme ça, et elles encadrent le lièvre qui, bien sûr, finit à la casserole. Et c'est extraordinaire. Et moi, je suis vraiment complètement esbobie que ces animaux merveilleux, qui ont été le sujet d'un science dans les années 90, ne soient pas plus étudiés que ça aujourd'hui, parce que, à ma connaissance, et peut-être que ça m'a échappé, ce sont les seuls rapaces qui vivent comme ça, avec ce côté collectif, communauté. Et bah, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait plein de gens qui les étudient, parce que même les relations au sein des groupes, la majorité des choses que l'on connaît, c'est ce fameux monsieur qu'on voit dans le docu Wolves of the Air. On pense que c'est des fois des jeunes adultes juvéniles qui ne sont pas apparentés au couple principal, mais on ne sait même pas comment ils se forment, comment ils se rencontrent, combien de temps ils restent. Enfin, parce qu'il y a toujours des théories en biologie pour dire, bah oui, bah ceux qui ne se reproduisent pas, ils aident le couple, mais souvent le couple est de leur famille. Donc on peut se dire, ouais, il y a toujours un intérêt à aider, à élever des poussins qui sont plus ou moins proches génétiquement de l'animal qui aide à les élever. Mais là, ce n'est pas forcément le cas, et du coup, ça pose plein de questions super Tu sais qu'on intéressantes. Et puis même, a comment est-ce qu'elles se coordonnent? un cas comme ça chez les poissons, de coordination où c'est pas des membres de la famille qui aident. Quand ils peuvent pas se reproduire une année, bah, ils vont aller aider d'autres à entretenir les petits sans aucun gain génétique pour Wow, c'est des cyclidés? eux. C'est des demoiselles, je crois. Ok. Attends. J'ai un doute. Je crois que c'est des demoiselles du Burundi, là, comme ça. Ok. À vérifier. Et effectivement, en fait, Ah ouais, non, c'est c'est assez dingue. sans qu'il y ait besoin d'être apparenté. C'est-à-dire qu'un individu qui ne se reproduit pas peut devenir un aide. Et en plus, il y a une vraie importance qui est mise par le couple. C'est-à-dire que si l'aide n'apporte pas d'aide, il est rejeté du groupe. Il est rejeté du territoire. Waouh. Et les Ah oui, chercheurs. tu peux pas glander, quoi. Non, tu ne glandes pas. Les chercheurs ont fait des tests, justement, tu sais, en retirant un pendant un moment et en le ramenant. Et il se fait chasser du territoire et il doit retravailler beaucoup plus pour se faire à nouveau accepter. Et c'est dingue. Et il n'y a pas de lien de parenté entre ces individus-là. Il Voilà. y a un autre truc rigolo avec les bus de Harris. Et ça, pour le coup, il y a quasiment pas de. Bah, du coup, il y a une hiérarchie assez forte. On parlait de hiérarchie tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est comme chez nos fameuses arachnoïdes, et bien chez les bus de Harris, c'est pareil. C'est la femelle, la chef, la dominante. Souvent en dessous, il y a le mâle à qui son mâle principal et les autres oiseaux, mais il y a un ordre dans lequel ils mangent, c'est-à-dire qu'ils chassent tous ensemble, mais c'est quand même la dominante qui mange en premier, et il y a un ordre dans lequel les animaux se servent. Et j'avais lu un truc assez rigolo, c'est qu'on. Et ça, je ne l'ai jamais vu chez d'autres oiseaux. Au début, moi, je me suis dit, bah, c'est un accouplement, ils ne savent pas le faire, mais en fait,
on a observé que pour apparemment signifier leur lien d'affection, d'amitié, eh bien, il y a des buses qui se perchent sur le dos d'une autre buse. Du coup, Sérieux? ça fait comme, comme les musiciens de Brême, tu sais, où il y a le couple avec l'âne, le chat, le chien qui fait une pyramide d'animaux. Eh bien, tu peux avoir des buses comme ça qui se grimpent sur le dos l'une de l'autre, jusqu'à genre deux piafs l'un sur l'autre, tu vois. Enfin, ça... Et c'est pas du tout un comportement sexuel. Et c'est, alors tu dis, mais waouh, avec ses grosses serres, elle se plante sur le dos de l'autre, ça doit pas être agréable. Et ouais, apparemment, c'est un. Mais que pareil, ça, je l'ai vu dans la thèse de ce fameux monsieur dans les années 90. Et depuis, il n'y a pas d'autre chose. Et j'avoue, je suis. Bon, après, c'est le désert de l'Arizona. Hein, c'est sûr, faire son terrain par 45 degrés quand il n'y a pas d'ombre, c'est pas super rigolo. C'est sûr, hein, je comprends. Mais je trouve ça dingue de savoir que ces oiseaux-là. En plus, c'est des oiseaux qui sont très, très utilisés en fauconnerie. Il Ouais. y a beaucoup de magiciens, d'illusionnistes, de spectacles de rapaces qui utilisent des buses de Harris. Mais pour autant, on connaît très peu de choses sur leur comportement en milieu naturel. Moi, Donc, j'habite pas trop loin du parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Ils en ont à l'appel, les bus de Harris. Bon, à l'appel, c'est peut-être Bah exagéré, oui, mais. c'est. Je pense que c'est un animal qui doit bien supporter la captivité, qui a l'air. Je pense qu'il est assez tolérant aussi, vu qu'il doit avoir. Mais après, là aussi, en milieu naturel, on s'est rendu compte que les buses de Harris, des fois, elles pouvaient être aussi que en couple, et des fois, elles faisaient des groupes, mais elles n'étaient pas toutes toujours en groupe. Donc ça doit aussi varier avec les ressources disponibles, s'il y a de la nourriture pour tout le monde ou pas. Dans les endroits où c'est craignos, c'est où c'est plus compliqué de trouver à manger, bah, c'est plus rentable de se mettre à plusieurs pour attraper des plus grosses proies, quoi. Genre des lièvres américains là, qui sont gigantesques. Et voilà. Mais voilà, la buse de Harris, voilà, un animal fabuleux. Et du coup, on avait une petite vidéo que j'ai hackée d'un docu BBC, mais je ne sais pas si on le tente ou si c'est chaud. Je peux essayer, c'est juste qu'en fait j'ai rien qui est prévu pour diffuser Ok. ce truc-là. C'est vrai que j'ai pas complètement zappé en fait, pas tout à fait honnête. Je vais regarder ça quand on sera sur les montages suivants. Je vais Ouais, mettre. c'était juste pour te gagner un peu de temps si tu voulais Après, finir le dessin Pépouze. bah en fait pas vraiment parce que ça m'oblige à aller chercher comment le faire. Yes. Et après, est-ce que vous avez vraiment envie de voir un écureuil en train de se faire attaquer jusqu'à tuer? Bon, je sais pas, la question se pose. Il y a ça aussi. Mais d'ailleurs, il n'y a pas la scène Qu'on de. voit Non, il me la semble pas. scène finale. Non. C'est juste qu'on voit l'approche au sol, mais c'est pas obligatoire, en effet. Alors, je vais finir mes dernières plumes. Mais je pense avoir quasiment. Ah, d'accord, je n'appuie pas sur le bon bouton. Donc voilà, moi je vois un petit qui a son bec foreur. J'ai oublié de faire son oreille. Hop. Clac. On va mettre l'oreille là. Clic, clic, clic. Voilà, j'ai fait un petit. Un petit qui a une tête totalement disproportionnée, justement parce que vu qu'il est censé forer pour sortir, il faut qu'il ait une énorme tête. Donc là, il est dans souterrain. Là, c'était un œuf, mais que j'ai pas terminé. Du coup, ici, hop. Là, c'est dans l'obscurité, donc il y a beaucoup plus sombre. Merde. Ah. Bon, attention. Ah bon, les brosses texturées, c'est pas la meilleure idée du siècle. Tac, tac. Voilà, là, il y a toute la. C'est vrai que j'avais déjà oublié, moi, le fait que le nid était qu'il fallait creuser. Mais oui, t'as raison, pour un diamant et un gros bec costaud pour sortir. Et donc voilà, du coup, il a une tête énorme et en fait, il a des muscles absolument monstrueux au niveau de la nuque, justement, pour pouvoir. Un peu comme les pics. Pour pouvoir taper. D'ailleurs, j'avais le cas qui m'était arrivé. J'ai une grosse baie vitrée juste à côté de moi. Et un jour, j'étais en train de travailler sur l'ordi, j'entends BAM dans la fenêtre à côté de moi. Je me retourne et je vois un pic, mais allongé par terre, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est foutu, il est mort. Il n'y a aucune chance qu'il s'en tire. Et vraiment, le choc était colossal. J'ai plusieurs fois des oiseaux qui sont venus se taper avec des chocs bien moindres et qui sont morts. Et au bout de 5-10 minutes, il s'est relevé, il est parti. Et là, tu te dis, oh Wow. putain, comme la nuit, les muscles de la nuit qui doivent prendre les impacts de la folie.
Donc, C'était un grand ou un petit verre ou un c'était un verre. piquet-pêche ou ce genre de petite Non, bête? c'est un Un pilat. verre, ouais. C'est un pilat. En fait, dans le jardin, j'ai un piquet-pêche qui est très dynamique, qui est beaucoup, beaucoup présent l'hiver, là, qui traîne. En fait, là où je travaille, j'ai l'ordinateur devant moi et j'ai une fenêtre juste à côté de mon écran et je vois le piquet-pêche toute la journée juste à côté de moi. Et il y a un pivert qui est dans le jardin de la voisine et là, c'était le pivert qui est venu se taper la fenêtre. Et il s'en est étonnamment bien tiré. Donc voilà, au bout de son bec, il a une espèce de diamant qui est vrillé en fait, comme pour creuser. Comme pour creuser des. Alors j'allais dire des métros, mais pas du tout, parce que c'est pas comme ça qu'ils sont faits les trucs pour creuser les métros. Mais comme dans. C'est quoi? C'est dans Total Recall, je crois qu'il y a une machine comme ça. Des machines qui creusent comme ça avec des grosses perceuses. Donc voilà, c'est mon bébé qui est prêt à percer à la naissance et qui a des énormes pattes, prêt à massacrer. Et voilà. Et qui a donc qui Bravo. est une boule globalement, puisque ça sera un gros duvet par la suite. Hop, je remets sur toi. Clac, donc c'est mon arach Noah. Après, on avait Le suivant, c'est le quai à farceur. le Kea farceur. Putain, il est 23h. Oh là là, c'est horrible. Bon, allez, on essaie de faire vite. Le Kea farceur, c'était moi au dessin. Aïe, aïe, aïe. Après, d'un point de vue purement physique, il était quand même très proche d'un Kea, Ça alors je sais reste pas un si. Kea, ouais. Je propose qu'on le lise juste, sans forcément le dessiner. Tu veux que je le lise? Allez, allez. Allez. Après, peut-être que tu as des images Est-ce que. déjà prêtes de Kea que tu veux montrer, hein. Mais je pense que tes Non, j'en ai pas sous aficionados la main. savent tous à quoi ressemble le Kea. Oui. À moins que Guilin soit là dans le truc et que tu veuilles absolument, absolument ton Kea. Auquel cas, on y jettera un œil, c'est vrai qu'on va. On va accélérer un peu. Alors vas-y, je te laisse lire le. Allez, c'est parti. Alors, le Kea farceur s'est suffisamment fait attendre. Il est marqué version auto-censurée. Je ne sais Oui, pas ce que donnerait version non censurée, c'est à cause mais. de Facebook, ça. Non, mais c'est que Facebook l'a bloqué, du coup, il a mis des étoiles. Il se différencie du Nestor Kea bien réel celui-ci et de son plumage olivâtre par l'ajout de plumes violettes en crête sur la tête et au bout des ailes. Les plumes de son dos sont aussi plus irisées. La plupart du temps, les Kea farceurs vivent en groupe de 3 à 4 individus, rarement 5. Ils ont une alimentation omnivore, opportuniste. À l'état sauvage, ils peuvent vivre une quarantaine d'années. Les Kea farceurs pondent de tout petits œufs, 1 à 2 seulement par femelle et par an, et leurs petits ont besoin d'énormément d'attention. Ils font des nids communs et semblent étonnamment indifférents aux liens de filiation. Leurs nombreuses interactions semblent leur permettre une gestion unique de partage des ressources. Attends, je Les t'interromps juste une socialistes seconde. soucieux s'interrogent. Oui. Si tu veux, Fanny, on peut te le faire tout de suite. Alors, on termine parce qu'il est prévu juste après, en fait. Donc, soit tu y vas et puis tu pourras regarder sur le live, soit sinon, on te le fait juste là, Agatha, elle finit, on l'attaque. Comme tu veux. Surtout que le bleu taillé, je crois que je l'ai déjà dessiné. Ah. Alors, vas-y, je te laisse finir. Et comme je viens de Je voir que Petite vois. Sarcelle vient d'arriver, j'ai juste mis l'image des deux parce que comme ça, elle peut les voir. Du coup, au printemps, ils se rassemblent massivement au Mont Sunday. Ils ont des interactions sociales développées et interagissent quotidiennement durant cette période avec au moins une trentaine d'autres individus de cette colonie temporaire. Des observateurs ont remarqué qu'à chaque premier jour de leur rassemblement, leurs interactions sociales sont plus intenses et souvent ponctuées de chants et de danses, parfois seules, parfois à plusieurs. Plus récemment, des scientifiques auraient découvert, grâce à des balises GPS très légères et précises, que les Kea farceurs tissent des relations amicales sur le long terme, puisqu'ils fréquentent souvent les mêmes individus des autres groupes d'une année sur l'autre. Ils peuvent changer de sexe en vieillissant. Ça, c'est original. La composition de leur groupe rapproché, celui composé de 3-5 individus, pourrait être un facteur déterminant dans ce changement. Ainsi, un groupe composé d'individus du même sexe aurait alors plus de chances de voir certains de ces individus changer de sexe. Le processus précis à l'œuvre est encore mal compris. Depuis quelque temps, et notamment en période estivale, leur activité favorite s'est orientée sur le vol à la tire d'affaires personnelles de touristes, notamment les couvre-chefs, chapeaux, casquettes, mais aussi sandwich chaton, référence manquante. Très discrets dans un premier temps, ils deviennent ensuite très brillants après un larcin réussi, ce que certains ornithologues sérieux n'hésitent pas à qualifier de mesquine fanfaronnade. Il n'est pas rare, après leur passage, de retrouver des empilements de chapeaux dans des trous peu profonds. Ils sont aussi doués pour imiter les autres oiseaux ou faire semblant d'être blessés. Ok. Eh bien, du coup, tu avais celui de Fanny qui est déjà fait. Fanny, c'était le
Le Le bleu bleu à taillé. Alors attends. statutus ou Je bâtisseur remets ma bleu. Ah mais oui, en plus c'est celui qui a la statue. Ouais, Ah, alors c'est celui que tu kiffais là. j'ai pas fait pareil, j'aurais bien vu une composition à l'huile d'une scène de parade amoureuse du bleu taillé, parce que des oiseaux qui font des petites statues d'eux-mêmes, c'est quand même super cool. Mais j'ai fait ceci. Alors pareil, est-ce que. Clac. Oh. J'ai fait ceci. J'ai fait un mâle et une femelle parce que, on va lire la description, mais en gros, ils sont décrits comme dans des camaïeux de brun. Et à la période nuptiale, le mâle a plusieurs plumes bleu vif qui se développent et la femelle n'en a qu'une, bleu clair sur la poitrine. Alors, je les ai mis sur la poitrine parce qu'ils se les arrachent à un moment donné pour les planter sur leur petite statue. Et le fait est qu'il faut que ce soit sur la poitrine, parce que d'ailleurs, c'est les premières plumes qu'un oiseau qui se pique s'arrache, donc c'est au niveau de la poitrine. Donc je les ai mis là. Donc j'ai fait un mâle à gauche, et enfin, bout c'est inversé, donc c'est l'inverse, la femelle est là, et le mâle est là. Et j'ai clairement copié la morphologie de la tête sur un jardinier satiné, forcément, c'est un vrai Oh. oiseau qui construit des trucs. Et les femelles sont marron. Même si les mâles sont ben, beaux, bleus, noirs, irisés, les femelles sont pleines de marron. Donc voilà, j'ai pris des jardiniers satinés et j'en ai fait le bleu taillé statutus. Si vous voulez vraiment passer beaucoup de temps avec les jardiniers satinés, j'ai fait une grosse série de vidéos dessus, sur les jardiniers en général. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'aperçoit que plus les berceaux sont colorés et esthétiques, et plus les jardiniers sont ternes. Mais c'est vrai, hein, c'est le jardinier brun qui a celui qui est complètement dingue là. C'est juste un oiseau absolument totalement quelconque. Il est complètement inintéressant. Il est tout petit, tout brun, il dirait une espèce de merle tout pourrave marron. Il Décevant. compense comme il peut. Il compense comme il peut. Ok. Eh bien, du coup, moi je vais sauter sur celui de autruche empaillée rapidement sur le pierreur des champignons parce que pour le coup, il me plaît vraiment. Encore une fois, j'aimerais tellement que ce soit, en ce qui me concerne en tout cas, des vrais artistes professionnels qui vous fassent des super beaux dessins de vos trucs. J'ai bien conscience de faire des trucs qui sont vraiment pas à la hauteur. Mais, en plus, celui-ci, je le trouve vraiment, vraiment trop classe. J'aime vraiment beaucoup l'imagerie qu'il y a dessus. Donc, je passe Comment sur tu le. le visualises? Alors du coup, tu veux que je lise la description S'il te plaît. Ouais. du pierre de champignon. Est-ce que Fanny nous en veut si on zappe la lecture Ah non, 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 du vas-y. bleu Ah non, non, taillé non. Putain, statutus? je l'ai pas lu, pardon, excuse-moi. Ah bon. Non mais c'est pas grave, c'est juste pour savoir, Non, vu non, on y que le va. dessin est révélé. Le bleu athée statutus, ou bâtisseur bleu de son nom commun, est un petit passereau d'une dizaine de centimètres, se nourrissant, je vérifie juste, t'es toujours à l'écran, se nourrissant essentiellement de lichens. Le bâtisseur bleu assure lui-même son autonomie alimentaire en travaillant en collaboration avec les membres de son groupe. Ensemble, il prélève régulièrement du lichen pour l'implanter sur de nouvelles zones, constituant ainsi une solide réserve de nourriture. Habillé d'un joli camaïeu de brun, le mâle se pare de quelques plumes bleu vif en période nuptiale, tandis que la femelle se contente d'une unique plume bleu ciel. Les mâles vivent en groupe sur l'île du Nord et les femelles sont groupées sur l'île du Sud. Au printemps, les femelles partent en excursion sur l'île des mâles, où ceux-ci, pour séduire leurs belles, assemblent savamment terre, pierre et brindilles, jusqu'à l'obtention d'une petite statuette naturelle leur ressemblant trait pour trait, ou presque. Ils agrémentent leur création de menus cadeaux, graines, fruits, objets en tout genre, et finissent en s'arrachant leurs plumes bleues qui viennent à leur tour orner la statuette. Je trouve quand même l'idée vraiment super classe. La femelle choisit son galant en venant planter son unique plume colorée au sommet de la statuette ayant attiré ses faveurs. L'accouplement a alors lieu à l'abri des regards, et une fois les œufs pondus, la femelle regagne son île, laissant le soin à son conjoint de l'année d'assurer la couvaison et l'éducation de ses petits. Ce qui renvoie un petit peu à plusieurs émissions d'M6 et de TF1 du reste. Tiens, cette rose ira vers toi. Nous allons aller sur l'île des garçons. Je sais pas, ça m'évoque des choses. En tout cas, l'idée de la statuette, c'est merveilleux. Moi, j'ai envie Ah de ouais. dessiner un piaf en pleine parade en train de construire sa petite statuette. Clairement. Voilà. Clairement. Obligé. Ok. Donc du coup, moi, je vais passer sur... Donc on était, alors attends, à autruche empaillée, c'est ça? Oui. Le pierreur de champignons. Le pierreur de champignons. Du coup, si tu es paré, je Je peux suis... lire Ah oui, je me suis ta pas mis sur l'écran, mais description. je suis paré, j'ai déjà commencé en fait. Alors, Hop, voilà, j'étais en train de commencer. C'est parti! Zébardine! C'est parti!
non vernaculaire, le piailleur des champignons, ou Arore Aruru en maori, littéralement celui qui fait du bruit sur les champignons. Nom scientifique, Mycopipite bobu. L'origine du nom d'espèce bobu, ou bobu, j'espère ne pas mal le prononcer, est incertaine, mais viendrait du mot polonais pour fève. L'hypothèse la plus communément admise est qu'il aurait été décrit pour la première fois comme vert comme une fève fraîche par un naturaliste polonais du 19e siècle. Ah, la poésie de la fève fraîche, c'est polonais, quel poète. Le piailleur des champignons est un petit oiseau vert pomme qui mesure de 7 à 8 cm de long et se reconnaît grâce à son pituit particulièrement perçant. En plus, j'aime bien faire les bruits d'oiseaux parce que ça fait toujours passer les naturalistes pour des fous. Donc pituit, pituit. On le trouve principalement dans les forêts d'Otago et du Southland. Il se nourrit essentiellement de larves qu'il trouve en fouissant le sol. Il lui arrive fréquemment de suivre les hordes de sangliers pour profiter de la terre fraîchement retournée qu'ils laissent derrière leur passage pour se nourrir. En période de reproduction, les piailleurs forment un couple qui se séparera une fois que les petits seront grands. Ils ont la particularité de nicher sur les champignons de tronc, tels que la langue de bœuf ou l'amadouvier, dans lesquels ils creusent ensemble leur nid grâce à leur bec acéré. Alors, je ne sais pas sur quoi tu es parti, mais moi, j'avoue, quand je l'ai lu, j'ai imaginé tout de suite un petit piaf mignon, genre un guépier, avec un petit bec, puis en train d'habiter tout son petit champignon, enfin, trop mignon, quoi. Ouais, moi, j'ai même un truc qui est presque une peluche, en fait, qui est vraiment un truc qui n'a aucune crédibilité réelle dans le vrai monde. Ah, mais oui, je le vois à l'écran, très bien. Il est très mignon. Mais je ne sais pas du tout. Je crois que j'avais vu quelques photos. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'était pas de renard alpin, pour tout dire. Qui avait posté des photos. On voyait des petites chouettes, genre Nyctalpe de Tengmalm ou Chevêche, qui habitaient dans des trous au-dessus de champignons comme ça. Ah, il m'a envoyé je pense pas une chevêchette. Oui, pardon. Je pense pas qu'elles habitent pile sur le champignon, mais ça se trouve, ça leur fait des abris pratiques, hein. Je crois que je vais pas aller beaucoup plus loin dessus. Plaît bien. Bah, je crois qu'il est parfait en fait. Il y a rien de plus à dire. Je vais juste rajouter une petite onde. Je pense que j'ai fait my job here is done. Je pense. Il est très mignon. Voilà, je vais lui faire un tout petit peu de lumière un peu jaune et puis nous allons. Comme nous sommes en plus pressés par le temps. Le piailleur des champignons. En plus, voilà, c'est adorable. Même son nom est adorable. Voilà, hop. Hop, il va y avoir une petite touche jaune ici. Voilà, hop. Peut-être une petite touche jaune sur le bec aussi. Hop. Voilà. Hop, pour faire l'arête. Et nous avons un piailleur. Ah, j'aime pas trop mon nom. Je vais refaire mon nom. Hop. Parfait. Voilà. On pourrait presque faire un deck façon carte Pokémon avec tous ces oiseaux. Là, je vois ça avec. Parce que chaque fois, tu marques le nom et tout, trop classe. Voilà mon. Au moins, il aura été rapide. Pauvre bête. Il n'a pas l'air de souffrir, tout va bien. Non, il n'a pas l'air de souffrir. Alors, on va faire venir un peu de lumière. Comme ça. Oh, alléluia, alléluia. Voilà. Hop. Très bien. Allez, suivant. Alors, si je ne me trompe pas, il nous en reste 5. Oh la vache. Le suivant, c'est... Alors, est-ce qu'il y a, sinon... C'est de l'ornithorynque. C'est ça, tu vois, t'es là, l'autruche. Je t'avais pas vu commenter, je t'ai pas ça que tu fais. Il te plaît, bon, bah parfait, très bien. Oui, c'est un bonhomme de neige, c'était l'âme content. C'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Ouais, il est 23h14. Il nous en reste 5. J'avoue que pour des... Alors, Joy qui propose un deuxième live. En fait, pour des raisons de chat et de vétérinaire, je ne sais pas de quoi sera fait ma semaine prochaine et mes prochaines semaines. Donc, j'aurai bien du mal à prévoir des lives. Ce que je
peux proposer. Est-ce que tu en as fait d'autres dans ceux qui sont prévus, toi? Est-ce que tu as avancé? Les derniers que j'ai faits, en fait, j'ai été très égoïste, j'ai fait le mien. Ok, ah oui, parce que Agatha, en fait, comme elle a participé au concours, mais sans faire d'oiseau, parce que c'était pas obligatoire, c'est quand même J'ai rattrapé en culpabilisé. faisant un. Donc, on peut montrer le tien, et puis je pense que ce qu'on va faire, comme il est un peu tard pour tout le monde, je vais lire les. Enfin, on lira les derniers à tour de rôle. Et puis, Yes. est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le chat qui n'ont pas fait l'oiseau et qui le voudraient? Je pense à Hypersio, Marcel, Marcel Lucien, Frédéric Mesguich, Piom. Et alors, j'espère n'avoir oublié personne. Sinon, alors, Agatha. Donc, je lis ta description et puis tu le montres. Et on ne dit à Oui, personne en que fait, tu pour l'as tout dire, littéralement j'en ai même volé. fait deux. J'en ai Hein? même fait deux. Alors, attends. Parce que j'ai fait une version feutre et j'ai fait une version aquarelle. Mais tout à fait, si tu es lancé. Attends, est-ce que ma webcam est. Attends, il faut que je retourne dans le bon onglet. C'est compliqué. Oui, c'est toujours. Coucou, c'est toujours ça. Ok. Alors. Tac. Clouc. J'ai une version feutre. Clac. De la bête. Oh, alors, Clouc. la bête. Oiseau, job, job, jub, jub, bibiptera, cretacanta, carole. Description physique. L'oiseau, job, job, est un oiseau d'une taille très impressionnante, supérieure à celle d'une autruche. 2 mètres de haut, sans le cou. Tu comptes sans le cou? Il sait néanmoins se fondre dans son environnement grâce à un plumage mimétique marron-vert qui le dissimule aux yeux inexpérimentés. On observe deux formes distinctes du plumage de cet oiseau, marron ou verte, selon la zone de la vallée qu'il habite. Il possède deux paires d'ailes. Ses membres antérieurs et postérieurs sont couverts de plumes permettant le vol, bien que lourd et maladroit. Cette adaptation est requise pour soulever son corps d'un poids bien supérieur à ce que l'on trouve habituellement chez les oiseaux. Son poids est estimé à 100 kilos. Il est reconnaissable à son large bec courbé qui le rapproche du calao terrestre ainsi qu'à son long cou, que on ne compte donc pas quand on le mesure. Il est également Tout à muni fait. d'une crête de plumes sur la tête qui révèle selon sa position l'humeur de l'oiseau. Ses yeux noirs sont ourlés de longs cils qui lui donnent une allure délicate. Évidemment, tout le monde pense au messager sagittaire. Comportement. Carnivore, il chasse petits mammifères et reptiles qu'il attrape au sol, le plus souvent à la course, mais ne rechigne pas à manger des charognes. Ses pas lourds délogent les proies, ses proies, qu'il attrape grâce à son bec et ses serres. L'oiseau Job Job est principalement terrestre. Ses deux paires d'ailes lui permettent de volter, mais son déplacement est lourd. Il ne l'utilise donc qu'en de rares occasions, comme lors des parades nuptiales ou pour trouver une partenaire. Le mâle se hisse en haut de grands arbres tels que des sapins et autres conifères et fait entendre son cri lugubre que l'on compare au bruit d'une craie sur un tableau noir. Agatha, ce qui ressemble à... Ah, Eh ben, on écoute, on veut le cri lugubre de ton oiseau. sur le pituit, c'était plus facile, hein. Le bruit de la craie, un truc genre. Non, Très bien, c'est pas bien merci. du tout. Non, Ce c'est cri peut pas être ouf. introduit à 15 km à la ronde, comme on l'aura bien remarqué sur l'interprétation d'Agatha. Oiseau solitaire, le couple reste peu de temps ensemble, le temps de l'accouplement, qui dure combien de temps donc? Eh bien, très court, hein. Très court. 8 secondes. 8 secondes, voilà, c'est important d'être précis. Le mâle coupe seul les œufs et élève les petits, de 1 à 3 pendant 3 mois environ. Comme chez les rapaces, le mâle est plus petit que la femelle. De nombreuses histoires et légendes inquiétantes entourent cet oiseau. Son cri perçant, sa taille imposante et ses habitudes charognardes y contribuent également. Cette réputation est pourtant clairement infondée puisque l'animal se fait discret et semble dénué de toute agressivité. Il vit reclus et caché dans une vallée isolée d'une île de l'océan Nord qu'il l'est tout autant. Conservation, comme il vit dans un milieu humide, gris, très éloigné au large des côtes et qu'il donne des sueurs froides à tous les explorateurs des environs, il est impossible aujourd'hui d'estimer la population de l'oiseau Job Job. Voilà. Bravo. Et du coup, j'avais fait une version zoom sur ses grands yeux délicats. Moi, je t'avoue, au début, je l'ai dessiné comme un rapace et je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop cliché, les animaux qui font peur, c'est toujours des aigles, des trucs, des machins. Et je me suis dit, un oiseau qui fait peur et qui est quand même badass, il y a le calao terrestre. Et moi, j'aime beaucoup les calao terrestres, ils ont des grands cils, ils ont un grand bec, ils mangent à peu près tout ce qui passe entre leurs pattes. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un calao vert avec une crête et ça va être cool. Et du coup, l'oiseau Job Job, je ne l'ai pas inventé. C'est pour ça que son nom latin, il y a Carole dedans, parce qu'il existe dans Alice au Pays des Merveilles, l'oiseau Job Job. Et comme j'ai passé ces 8 derniers mois à être dans Alice au Pays des Merveilles, parce que j'ai écrit un livre avec ma collègue Anne-Cécile, qui a écrit l'histoire des pénis de canard que je vous ai lu tout à l'heure, je me suis dit, c'est l'occasion de parler de l'oiseau Job Job, qui apparaît dans le film, le premier film de Tim Burton, c'est l'oiseau de proie au service de la Reine de Cœur.
Mais dans le livre, parce qu'il y a deux livres d'Alice, il apparaît dans le deuxième, qui est de l'autre côté du miroir, et il n'apparaît que dans une poésie, où il est cité comme un animal qui fait peur. Et il apparaît dans un autre texte peu connu de Lewis Carroll qui s'appelle La chasse au Snark, où en gros il y a plein de personnages plus exubérants les uns que les autres qui partent sur un bateau et qui partent à la recherche du Snark, qui est un animal qu'ils ne trouvent jamais, et de l'oiseau Jub-Jub, qui fait peur. Et le coup de la craie sur le tableau noir, c'est Carroll qui l'a inventé. Donc c'est moi qui l'ai honteusement repris, mais voilà, c'est pas moi qui l'ai créé de toute pièce. C'est vrai que Voilà! c'est marrant d'avoir des oiseaux badass, mais qui n'ont pas le profil classique, facile du rapace. Justement, quand tu as parlé des grands cygnes, j'ai tout de suite vu le messager sagittaire, tu sais, qui fait vraiment un visage qui est juste pas un Qui est visage ultra badass d'oiseau, aussi. quoi. Qui est incroyablement beau et qui est en même temps super flippant, quoi. Tout machin, juste il tue des serpents. C'est son job dans la vie. J'ai hésité avec le bec en sabot, qui est à mon sens un peu Oh là la là. quintessence de l'oiseau badass, Le mais bah, ou le cassoar. ou le casoar, c'est vrai. Le Et qui sont casoar. pas trop ra... qui sont pas des rapaces, donc c'est vrai que Non. ça changeait un peu. Donc Alors, Xian voilà. Moriarty, si je me trompe pas, celui de ta sœur, c'est l'Arachnoa. C'est celui-ci. Oui, Que moi, j'avais me fait en semble version aussi. bébé. Normalement, c'est celui-là. Bah ouais, c'est l'oiseau de proie qui chasse comme les bus de Harris, enfin, il me Voilà. Et semble, hein, où... sauf si on s'est trompé dans nos notes. Ce qu'on avait beaucoup fait ressortir, c'était que les bébés étaient des foreurs. Donc du coup, vu que c'est là-dessus qu'on avait fait la référence, je suis parti sur un bébé foreur. À ne pas mal prononcer. Alors, parce que ce qu'on va faire, on lit les derniers. Et Eh puis... bien, écoute, allons-y. Du coup, attends, on en était où? Je retourne. Eh bien... Alors... Bah, c'était Alors, celui il de y a Hypersio. Hyperzio. Eh bien, écoute, c'était toi qui étais prévu sur le blabla sur celui-là, donc je te laisse le faire. Eh bien, je le lis dans ce cas. Donc, celui d'Hypersio, donc il a enfin été observé pour la première fois. Le mythe néo-zélandais du Tiohutunui n'en est plus un. Cet animal important du folklore local ressemble fortement à l'ornithorynque australien, à la différence qu'il possède des ailes et peut planer sur de longues distances. Note de la rédaction, ces informations sont en partie des hypothèses basées sur les légendes locales. Nom commun, ornithorynque volant. Régime alimentaire, vers, larves, insectes, parfois des petits rongeurs qu'ils assomment avec sa queue. Mode de vie, il vit seul et rencontre ses congénères une fois tous les 5 ans pour se reproduire. Mode de reproduction, ses organes génitaux sont situés dans sa gueule et c'est par ce même endroit que sortent les œufs. Les scientifiques se posent de nombreuses questions sur cet animal, notamment sur les méthodes d'accouplement. Des expéditions sont prévues dans le Southland pour l'étudier plus en détail. C'est vrai que moi j'avais prévu de le dessiner en fait en faisant. Je vais juste faire un gribouillon vite fait pour vous dire ce que j'avais prévu sur ce bestiole. Tellement j'avais prévu un truc nul. nul. Mais en fait, moi à partir du moment où le truc, tout se passe au niveau de la tête, moi je voyais un peu une espèce de grosse tête comme ça avec. Je sais plus exactement comment c'est fait, mais le gros bec de l'ornithorynque comme ça. Et en fait à l'arrière, bah, en fait t'as pas vraiment de corps, tu vois, genre t'as que deux pattes. T'as que deux pattes, une queue, et il n'y a rien d'autre, tu vois, il y a vraiment tout est là. Absolument tout se passe ici. Voilà. T'as deux pattes, une queue et une énorme tête avec un énorme bec où tout ça fait des œufs, ça fait des petits, ça mange, ça rampe. Joy demande à quand une vidéo sur les oiseaux les plus badass? Eh ben moi j'ai envie de poser la question, quels sont les oiseaux les moins badass? Je ne pourrais pas en trouver puisqu'ils sont à peu près tous badass. Je connais. Alors, il y en a qui ont des noms un peu nuls. Et Ah, pour des tout noms. dire, si vous ne connaissez pas encore, je vous incite à regarder le compte de Silly Bird Names sur Instagram, qui Oui. raconte un peu les histoires derrière les noms de certains oiseaux. Et il y en a en préparation, je crois qu'il va sortir bientôt, sur des animaux qui ont vraiment des noms nuls. Mais vraiment, des noms, tu te dis, waouh, ça me donne envie de boire mon bouillon, de mettre mes pantoufles et d'aller me coucher, quoi. Il y a vraiment des animaux. Enfin, tout à l'heure, je parlais de la Morning Dove, ça limite, enfin de la tourterelle triste. Mais il y en a d'autres qui ont des noms pourris, pas badass. Et c'est des animaux, en fait, pas bah, juste, ils sont genre des cailles, des pigeons, mais c'est des cailles standards, tu vois. Elles ont rien qui sort vraiment de l'ordinaire. Et voilà. Du coup, je sais pas si on peut dire qu'ils sont pas badass, parce que même une caille, c'est très choupi et ça fait des trucs cool. Mais ils ont pas un truc hors du commun, quoi. C'est des Clark Kent des oiseaux, quoi.
Alors, ensuite, on avait celui de Marcel Lucien. Donc là, c'est moi qui faisais le blabla, mais il est court celui-là. C'est l'Archéoptéryx modernica. Il se nourrit principalement de chats domestiques, obèses la plupart du temps. Mode de reproduction ovipare, mais quand les proies sont nombreuses, ovovivipare. Caractéristiques, les modernica les plus entreprenants offrent la peau d'un chat Maine Coon à leur dulciné. Bon, bah, là, honnêtement, moi, si j'avais dû partir sur un dessin, je partais directement sur des reproductions de dinosaures, des maniraptora, de cette famille-là, quoi. voilà, j'allais chercher les dinosaures oiseaux, j'allais même pas chercher chez les oiseaux, quoi. Ça aurait sûrement été un maniraptora avec un bec, en gros. Attends, je fais un truc moche très rapide. Yep. On est en mode vraiment moche très rapide. Vas-y, hop, boum. Allez, un maniraptor avec un chat, boum. Nip, nip. Je vais juste repasser le trait qu'on voit un tout petit peu parce que c'est vrai qu'au crayon de papier, vous voyez pas grand-chose. Bon, ça se voit pas mal, honnêtement. Ouais. Avec les dents. Il fait greu. Le chat qui est clairement dead. Et puis des petites griffouilles parce qu'ils ont toujours des petites griffouilles au bout des pattes. Hop. Et puis des bonnes petites papattes. Des saucisses, ça. Des saucisses, exactement. Avec trois doigts à l'avant, un à l'arrière, et voilà. Bim, boum. Avec des petites. Voilà. Allez, c'est parti. Suivant. Et voilà. Frédéric Mesgui. L'Actinidia délicieusae. Je te laisse le raconter, celui-là. Alors attends que je retrouve dans ma petite liste. Alors attends, clac, clac, clac. C'est celui qui a aucune L'Actinidia description. délicieusa, c'est celui-là, ouais. Ouais. Alors, c'est un oiseau aux ailes atrophiées qui se nourrit exclusivement au sol. Il raffole des baies de paille, des baies de râpe ou des baies de bar. Reproduction. Il se reproduit deux fois les années bissextiles et une seule fois les autres années. On suppose que le comportement reproductif a complètement changé avec l'arrivée des humains occidentaux sur l'île. En effet, la femelle, pardon, choisit son mâle en fonction de la quantité de blé qu'il peut rapporter, alors que cette plante n'était autrefois pas présente en Nouvelle-Zélande. Le mâle choisit la femelle qu'il peut. Les œufs sont vert-jaune et recouverts de petits poils. Les oisillons naissent au sol et passent les premières heures de leur vie dans un combat à mort jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le vainqueur va ensuite tuer d'éventuels oisillons dans les œufs non éclos. L'Actinidia deliciosa est le seul oiseau qui allaite son petit. Il vit en lisière de bois, dans les prairies et dans les champs. Il évite la mer car il n'aime pas les touristes. C'est un oiseau de la terre du milieu. Il marche, picore, dort et ne lit jamais rien. Ok, allez, je fais n'importe quoi. Donc, très bien. Je suis pas du tout en train de faire dessin sur un. Il est 23 h, voilà, il ramène du blé, il a des seins, il allaite, c'est n'importe quoi. Bon. Donc. Non, non, mais on était là-dessus. Alors, ensuite, nous avions celui de Piome, le cormoran rigolatus. Un régime alimentaire, cet oiseau a réduit son régime alimentaire à un seul poisson, le poisson clown. Un mode de reproduction. La méthode de séduction de cet oiseau consiste à jacasser devant son public. Les spectateurs émettant des cris ressemblant au rire, il pourrait s'agir des premiers oiseaux humoristes. Alors, ce ne serait probablement pas les premiers, je mettrais probablement les Kea en premier. De temps en temps, des oiseaux se rassemblent en groupe pour tisser des liens d'amitié. Ils pourraient se partager leurs meilleures vannes, mais plus d'études sont requises pour confirmer cette hypothèse. Et puis, bah, c'est le dernier. Attends, je fais une tête de cormoran histoire de dire viteuf. Vas-y, fais une tête de cormoran. Ah non, mais on va pas rester là-dessus, qu'est-ce que je fais moi? Hop. Ah oui, en théorie, je devrais raconter quelque chose. Il est beaucoup trop tard, là.
Hey, je suis en train d'animer. Oh là! La fiesta, la fiesta. Ok, c'est une tête de cormoran. Non, non, allez, arrête, Agatha, tu fais chier. C'est une tête de cormoran. C'est bien en Vas-y, plus les cormorans, cormoran, on ça. finit sur un oiseau de merde, l'oiseau qui pêche des poissons et qui est même pas étanche. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau, hein? On en parle de ça? Oui, mais il est mignon, il fait des efforts. Ben oui, mais c'est nul, hein, parce que faut savoir, quand vous voyez des oiseaux qui sont sur le bord de l'eau, des oiseaux noirs et qui étendent les ailes comme ça, ben c'est des contres cormorans qui sont allés pêcher, et les cormorans, ben ça va sous l'eau, et puis en fait, c'est pas étanche. Donc après, c'est obligé de se faire sécher au soleil, parce que c'est nul comme oiseau. Voilà, c'est très joli, c'est très sympa, mais c'est nul. Moi, personnellement, choqué déçu. Au niveau évolution, choqué déçu. Voilà. Je trouve que. Bon, voilà. Voilà. S'il y a un service après-vente des cormorans, bah je tiens à faire savoir que je ne suis pas satisfait du travail qui a été effectué sur ces animaux en particulier. Même si on voit bien qu'au niveau design, ça a été bien travaillé. Ils sont effilés, le bec est agréable à l'œil. Globalement, en vol, c'est un bel oiseau. En plongée, c'est un bel oiseau. Mais. L'étanchéité, c'est quand même la base. Je veux dire, la moindre montre de merde dans n'importe quel magasin de merde qu'un mec va te vendre sur une brocante est étanche, le cormoran l'est pas. Il y a un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein. Voilà, c'est scandaleux. Ah, tu croises avec celui d'avant qui se raconte des vannes. Bah, c'est ça, vu que c'est le corps marrant, tu vois, qui fait des blagues, il raconte une Oh la blague. vache, j'étais passé à côté. Voilà. Le cormoran. Je voulais lui faire un maquillage de clown, donc j'ai fait une espèce de zone blanche comme ça, comme les clowns tristes, mais allez, une petite larme comme ça pour voir que c'est un clown Totalement triste. passé à côté du jeu de mots cormoran, mais alors complètement. Piom, il faut qu'on discute. Voilà. Piom, il faut qu'on ait une conversation avec ce cormoran là. Et attends, du coup, on n'en a oublié aucun, on les a tous faits. Attends, je Eh revérifie bien, notre. Eh ben non. oui, Eh bien, on oui. dirait bien. Je crois qu'il y en a. Ouais, il y a. Bah non, en Marqué fait, ouais, ils ont été comment? tous dessinés à part peu. Non. Il y a que le Kea, je crois qu'on n'a pas fait, parce qu'il ressemblait beaucoup à un Kea, du coup. Mais je crois que c'est tout. Celui de Ghislain. Yes. Mais Eh ben, l'esprit. bravo, Eh j'ai bien, envie de écoute, dire. bravo, bravo à toi, bravo aux personnes qui ont À tous les courageux participé, qui sont encore là. à toutes les personnes qui sont encore là. Bah alors, pas bravo à moi quand je regarde ce que j'ai fait, mais. Non mais. Mais merci d'avoir participé à ce concours, d'avoir fait tout ça, d'avoir inventé tous ces oiseaux, et j'espère qu'un jour quelqu'un fera quelque chose de bien avec. Des peintures à l'huile format 5 mètres sur Ouais. 3, des parades de ces animaux. Des trucs trop classe. Mais maintenant qu'on a des modèles 2D, peut-être qu'à l'occasion, je pourrais faire des trucs 3D aussi avec. À voir, mais je ne vais pas m'engager parce que. Parce que voilà. Effectivement, le sommeil. Ah, c'est quoi ton blaze sur Facebook, Agatha, pour qu'on t'embête? Ça, c'est Joy qui veut absolument son dessin. Hein, on aura compris Eh que. bien, moi en général, sur à peu près tous les réseaux, c'est le nid de pie. Sur Insta, parce que c'était déjà pris par quelqu'un qui a fait un post il y a 5 ans, c'est le nid 2 avec le chiffre 2 et pi. Mais sinon, c'est le nid, LENIDDEPIE. Voilà, sur Twitter, sur Facebook. Voilà. Voilà. Et donc, si jamais. Mais alors, je sais pas si mon scanner ici va être très efficace, mais promis, je vais les scanner et les mettre sur l'internet mondial. Nice. Voilà, pour qu'on les voit mieux. Cool. Bon, bah super. Et puis, bah si jamais tu vois un matin ou un soir très tard dans un parking au quatrième sous-sol, deux points lumineux comme ça, bah tu sauras que c'est Joy qui t'a retrouvé. Je sais pas si je dois friser, Je m'immobiliser, sais pas, me tu mettre verras par avec terre, elle. courir. Quelle stratégie est la meilleure pour assurer ma survie? Mais d'accord. Alors, je n'ai jamais vu de cormoran mouillé se battre. En revanche, je me suis retrouvé à un moment, je voulais faire des photos de. C'était des foulques. Je voulais faire des photos de foulques. J'étais allongé avec mon appareil photo, j'avais un énorme zoom, j'avais un 300 mm. J'étais allongé au bord de l'eau.
avec mon gros zoom, et d'un coup j'entends bam 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 juste à côté de ma tête. Je recule, je me planque. En fait, c'était un cygne qui était en train de décoller juste à côté de moi. Et du coup, les cygnes, ils courent sur l'eau avant qu'ils décollent. Et quand vous avez un Les énorme pattes, elles steak, font comme ça. et ouais, et les pattes, elles pédalent dans le vide, et ça fait un boucan de dingue. Et le truc, il a commencé à courir à genre 1,50 m de moi, quoi. Et comme moi j'étais au zoom 300 mm, je voyais rien du tout. Oh, la panique que j'ai pris. Oh. Voilà pour. Jamais compris comment ça se fait qu'ils font. Enfin, si, parce qu'ils sont pas de prédateurs, mais ils font tellement de bazar, on les entend tout le temps, de super loin. Donc, Ah ouais, non, c'est. c'est pas optimisé. Mais bon, ils sont toujours là, donc c'est que ça doit bien fonctionner d'une manière ou d'une autre. C'est pas. Oh là, mon chat. Bonjour. C'est pas optimisé. Oh là. Bon, eh bien, j'ai un pansement à changer, donc je vais. Yay! Voilà, bah tiens, comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors, vous ne l'aurez pas vu comme ça, mais on a brindé avec son pansement et son body. Avec son Voilà. petit body. Voilà, tu fais bonjour à la Trop caméra, mon cœur. mignonne. Voilà. Donc là, il faut qu'on change le pansement. Voilà, elle est en petit lutin de Noël. Eh bien, Yay. sur ces bonnes paroles, merci beaucoup, Agatha, pour Bah, ces merci à super toi pour dessins. l'invitation et puis Bah, merci à tous les participants pour ces créatures toutes plus cool les unes que les autres. Moi, grave. vous avez illuminé mes journées, donc c'était trop bien. Ouais. Merci. C'était Bah, super. bon, génial. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne Ciao, ciao. nuit. Bonne nuit.